Bonsoir, ça va mieux avec le son. Bonsoir, bienvenue dans ce Wingmaster Live numéro 5. Euh, merci de nous recevoir chez vous en cette période difficile. On est tous à la maison, on a tous envie d'aller voler avec ce beau temps. Euh, mais il faut rester encore un petit peu enfermé. Euh, bienvenue en direct depuis Lyon. On va retrouver, on l'entend déjà en train de s'éclaircir la voix, que... eh ouais. Lyon, Jérôme. Lyon. Salut Jérôme, depuis euh, la région grenobloise, tout va bien Salut Seb et surtout bonjour à tous et à toutes qui, qui, qui êtes là ce soir encore avec nous pour une large discussion sur le décollage. Ouais, on, parle, sujet. on parle du décollage aujourd'hui, hein, c'est ça C'est ça, on va parler du décollage. Euh, très grand sujet et tout, même encore plus que l'atterrissage. Euh, assez varié, il y aura, il y aura cinq thèmes en gros quoi sur 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 la discussion et avec les réponses à vos questions, il y aura cinq gros thèmes en fait. Il y a déjà tout ce qui est on va dire la préparation euh, le, ch le choix de la technique, le comportement de la voile, simplement regardant le, le décollage. Ensuite, il y aura le, le premier thème qui est plutôt du gonflage d'eau voile en fait, parce que c'est important de, de, de savoir gonfler d'eau voile euh, sur des sur des sur des aérologies plutôt euh, tranquilles, faibles, suivant la pente aussi. Euh, et un autre thème basé sur le gonflage face voile. Donc aussi très complet, puisque de plus en plus on va dire que le volume de gonflage là, en pourcentage se fait de plus en plus maintenant face à la voile. Ensuite il y aura un dernier thème, c'est pour ça que c'est pas chronologie les thèmes de technicité qui, qui augmente, et un dernier thème sur les décollages gonflages dans des situations assez particulières, vent arrière, décollage falaise, décollage en lançant la voile. Voilà, on aura le temps de parler de ça. Euh, parallèlement à ces quatre thèmes, il y a le thème de, de tout l'apport en préparation mentale qui est extrêmement important puisqu'on peut mettre ça à toutes les sauces. Euh, C'est pas que pour le haut niveau. Et on va voir comment les, les points d'entraînement de, mental sont importants euh, déjà quand on se prépare, quand on s'arnache. Et on va parler de, de par exemple de routine. On va par parler de sur quoi porter son attention. On va parler de comment on fait et comment on sait qu'on fait. Euh, donc ça, ça peut servir beaucoup aux moniteurs aussi dans leur pédagogie, d'enseignement pour les débriefings, etc. La gestion du stress, bien sûr. Donc on voit que ces thèmes de préparation mentale interviennent à tout moment dans euh, le décollage, le, la préparation, le gonflage et le décollage. Voilà. Bon, c'est encore une soirée qui va être riche et complète. Et tu feras euh, attention derrière toi. Il y a une sorte de poulet accroché. Euh... et oui. Tu vois, c'est un poulet, alors c'est pas vraiment un poulet, c'est un vautour, mais comme on va parler du chicken run, là c'est le vautour run, donc il est derrière moi, il surveille et il vole très très bien. Bon, on va on va en parler. Euh, mm. on, va, on va revenir sur tout ça, le décollage donc euh, ce soir. Et on a euh, notre ami Georges qui euh, a voulu euh, se joindre à ces Wingmaster Live euh, pour euh, faire un partenariat. Euh, Georges, c'est euh, le site qui s'appelle chaussureonline.com, euh, chaussures au pluriel online.com. Euh, c'est une entreprise haut-savoyarde euh, qui est basé à Salanches Jérôme euh, et bah, vous comprenez qu'en cette période difficile euh, et bien euh, pour euh, c est, c est, voilà les, tous, les, tous les magasins sont fermés euh, donc c'est pas forcément euh, évident pour, pour les commerçants euh, et pour tout le monde hein. euh, et donc chaussureonline.com a voulu s'associer à Wingmaster ce soir et vous offre à vous qui regardez euh, cette, ce, ce, ce live euh, 10% de réduction sur toute la nouvelle collection donc vous pouvez aller sur leur site chaussureonline.com avec le code WING et vous aurez 10% de réduction sur la nouvelle collection. Ça, c'est chouette. Il y a des chaussures pour madame, des chaussures pour monsieur, des chaussures pour les enfants. Alors, effectivement, euh, les adultes, des fois, ils n'ont pas trop envie d'acheter euh, des chaussures en cette période de confinement. C'est-à-dire y il a plein de trucs. Cadeaux, hein. Ils peuvent faire des cadeaux, mais surtout les enfants, les pieds continuent de grandir. Donc, ça, oui. euh, on a forcément besoin à un moment de changer des, les chaussures. Donc, merci euh, Georges pour ce partenariat. 10% de réduction avec chaussures online. On aura l'occasion de le rappeler. Et euh, petit petite pub également, il y aura un bon d'achat à gagner avec une petite question, euh, trois petites questions avant la fin de ce live. Euh, donc voilà, on soutient cette entreprise de Salanches, Vive la Haute-Savoie et euh, ChaussuresOnline.com ce petit bon de réduction de 10% pour euh, tous ceux qui nous regardent. Et on attaque maintenant dans le vif du sujet, Jérôme, euh, pour parler du décollage. Euh, des décollages en général, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas euh, qu'une seule façon de les faire. Et surtout, euh, faire un bon décollage, c'est surtout une bonne préparation. <laughs> Voilà, donc le premier thème qu'on va aborder ensemble c'est tout ce qui est préparation donc euh, ça correspond à quoi la préparation ça va être quand on arrive sur le décollage et ce qui est important c'est d'observer déjà et par le, prendre le temps d'observer ça va donner beaucoup d'informations et on va observer globalement l'aérologie est-ce que le vent est fort? pas fort, faible ou carrément nul, la direction du vent, aussi est-ce que sur le décollage, il est travers, pas travers, et on va regarder euh, s'il est aussi régulier, hein, laminaire régulier, si c'est de la brise, si on a des petites rafales de vent météo ou pas. Donc on va être assez observateur, ça va nous donner des informations pour la suite, et on va regarder en plus de l'aérologie, on en a parlé sur les lives précédents, c'est comme un atterrissage, on ne regarde pas que la topographie du terrain, mais il faut regarder aussi l'aérologie. Donc là, après l'observation, aérologique. On va regarder la topographie du décollage. Alors ça consiste en quoi Ça regarde, c'est à regarder déjà la surface du décollage. Est-ce qu'il est encadré par des arbres, par d'autres obstacles Est-ce que la pente est euh, accentuée ou est-ce que c'est une pente faible euh, Est-ce que la pente est suffisamment longue pour permettre un décollage, une course qui va durer longtemps Donc ces facteurs là. <laughs> va donner des informations au pilote en déjà quel type de gestuel il va pouvoir choisir dans sa panoplie dans sa technique euh, et ça va aussi donner des informations sur le comportement de la voile alors je vous donne un exemple sur une pente forte avec du vent on va avoir plutôt une voile qui va monter vite et qui aura tendance à dépasser avec un décollage qui va apparaître très tôt voilà en juste en regardant la pente et le vent sur une pente forte avec du vent fort. Sur une pente faible avec du vent faible, la voile va monter lentement et on, il va falloir avoir la possibilité de faire une course qui va durer longtemps pour obtenir la vitesse d'envol et, et le décollage ne va pas du tout apparaître brutalement. Il va falloir une bonne action de pilote qui dure longtemps pour atteindre le, le décollage en lui-même. Euh, si on a une pente faible avec du vent fort, <laughs> Là, c'est pareil. Là, il va falloir gérer le gonflage parce que le, la voile n'aura pas tendance à vous soulever, mais à vous emmener vers l'écolage euh, sur le plat, en fait. Donc, c'est pas facile aussi à gérer. Donc, en fonction de ces observations, on a déjà une idée en visualisant. On a déjà une idée de ce qui va se passer sur le comportement de la voile et la gestuelle à adopter. Voilà un premier euh, un premier rapport d'information. Et euh, pendant cette euh, phase-là aussi. On va commencer à euh, s'occuper de peut-être euh, euh, de, de l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du monde, est-ce que après ça va dépendre de chacun, est-ce qu'il faut gérer un petit peu le stress d'un décollage suivant l'aérologie, s'il y a du monde, s'il y a beaucoup de gens qui regardent et tout, donc là on peut déjà rentrer dans, euh, on peut parler de gestion de stress, donc des petits outils comme ça pour euh, qui vont vous permettre de vous recentrer. Il y a la respiration, par exemple se mettre dans un coin, faire quelques inspiration, expiration, plutôt avec le ventre. Voilà, qui vont vous permettre de vous recentrer, puis de faire descendre un peu votre rythme cardiaque. C'est un petit outil qui marche très bien. On peut aussi se mettre dans un coin pour euh, fermer les yeux, puis visualiser, après avoir observé, visualiser un petit peu le gestuel qu'on va mettre en place et le comportement de la voile pour avoir déjà la possibilité de faire une, une, une gestion de ce qui va se passer, mais en l'imaginant. Donc autant l'imaginer bien, on dit que c'est de la visualisation positive. Et ça, ça vous permet de vous mettre dans le bain déjà avant d'y être concrètement. C'est des, des petites choses qui sont très efficaces. Et ce temps-là va aussi permettre... Ce temps de préparation, de penser aux routines que vous allez mettre en place. Euh, les routines en préparation mentale, ça va être des petits moments décomposés. Par exemple, la routine de l'arnachement, comment vous allez vous arnacher, dans quel sens. Euh, ça va être euh, la routine de l'installation de la voile au sol en fonction des conditions. Voilà, faire, faire tout un, un petit protocole. Euh, définies à l'avance que vous répétez et qui vous aide en fait. Hein. C'est pas quand on dit des routines, il faut pas que ce soit des ou de la superstition ou des faire toujours la même chose et tout, mais faire des faire des routines qui sont euh, préparées à l'avance que vous répétez et qui sont surtout efficaces pour vous en fait, qui vous permettent de de vous recentrer, de pas oublier des choses. Et la routine permet aussi dans ce protocole de ne de faire attention. Aux distracteurs extérieurs, par exemple, des fois on entend des gens qui décollent, qui crient, euh, on entend les commentaires, etc. C'est ce qu'on appelle les distracteurs, et les distracteurs peuvent vraiment vous vous sortir de votre euh, protocole, de votre procédure, par exemple de préparation de voile, de prise de commande, d'arnachement. Et il faut faire attention à ça. Quand on sent, quand on prend conscience qu'il y a des distracteurs, ça va vous permettre de revenir sur votre euh, protocole personnel que vous avez mis en place. Voilà quelques informations sur le avant, la avant le, le gonflage en lui-même. Avant le gonflage. Et Jérôme, ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'il euh, y a vraiment cette période de concentration, euh, de, 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 de prise de conscience, du décollage, etc. Souvent, oui. quand on est en groupe, on arrive, on se marre, euh, voilà, on parle de plein de choses, on regarde un peu la météo, on gonfle sa voile et c'est parti. Euh, toi, tu préconises quand même de, de, de se recentrer. Et euh, peut-être sur une pratique de groupe, ce n'est pas forcément facile. Euh, quand on est tout seul, ça... Ça, ça devient carrément évident euh, il faut se forcer à faire ça Et... quoi Exactement, parce qu'on peut monter sur un décollage dans une navette avec beaucoup de monde, ça brasse, ça parle, etc. Et en fait, il faut que vous définissiez, chaque pilote va définir un peu ce dont il a besoin. On parle souvent de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin pour arriver, su... quand il arrive sur un décollage? Et de quoi a-t-il besoin? De quoi avez-vous besoin pour mettre en place ce qui va suivre, en fait? Alors, il y a des gens qui arrivent, il y a des pilotes qui arrivent très bien à être dans un groupe qui brasse, qui rigole, etc., tout en euh, prenant des informations extérieures, c'est-à-dire sans vraiment se, sans vraiment être déconcentré en fait. Et il y en a d'autres, d'autres pilotes qui sont euh, qui vont un peu bouffer le, qui vont absorber en fait, on va dire toute l'ambiance d'un décollage, et ça peut vraiment être euh, négatif pour eux en fait. Hein. Donc c'est là où, où on peut préconiser. Euh, que chacun définisse ce dont il a besoin et savoir comment il va mettre en action ce dont il a besoin. Ça peut être, par exemple, s'isoler avec de la musique, ça peut être aller dans un coin pour vraiment s'occuper de la préparation de son matériel, aller dans un coin pour pouvoir observer et faire sa propre analyse des conditions, voir si elles nous conviennent. Donc, c'est vraiment une démarche qui est très individuelle. Mais il est important. De, de, que chacun se pose la question sur ce qu'il faut mettre en place en fait, parce qu'on ne peut pas généraliser. Euh, Seb, là, tu proposes par exemple, est-ce que tout le monde peut aller dans un coin avec de la musique Peut-être, peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il faut que vous définissiez ce dont vous avez besoin et le mettre en place en fait. Et, et donc le faire on... évoluer suivant les décollages, etc. Voilà, on a des remarques, par exemple, Emmanuel suivant, qui nous dit, euh, Emmanuel nous dit quand je <laughs> me prépare, je m'occupe de plus rien autour de moi. Euh, Jean-Éric nous dit trois bonnes respirations. Richard nous dit ne pas se faire intoxiquer par les commentaires. Jean-Éric nous dit abandon du smartphone, priorité au pilotage <laughs> et pas aux images. Euh, Didier, lui, fume des trucs bizarres. Euh, voilà, donc effectivement, après, il y a euh, voilà, quelqu'un qui dit l'anti-oubli, accrochage de cuisse, tout ce qui va s'entraîner si on est. Si on est euh, si on est distrait quoi alors là voilà là on voit bien que chacun a une, une manière de faire fait quelque chose et on a vu là sur cinq exemples il y en a pas un qui est pareil euh, et, et donc aussi je, je il faut prêter l'attention sur le fait qu'on dise euh, euh, il faut s'isoler euh, il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça et la question qui pourrait suivre derrière c'est comment tu fais pour t'isoler euh, qu'est ce que tu mets en place comment tu fais pour te recentrer etc c'est le comment vous mettez en place ça qui est important et le comment va amener derrière est ce que c'est des choses qui vous aident parce qu'il y a des gens qui font qui mettent en place un protocole ou qui ne mettent pas en place, mais qui, par habitude qui font quelque chose. Mais si on, on les questionne, en fait, ça les aide pas vraiment. En fait, ça, ça peut euh, ne pas les rassurer. Il y en a qui se, se mettre euh, d'un côté tout seul va les rassurer parce que d'un coup ils se retrouvent tout seuls confrontés à plein de questions, plein de doutes, etc. Donc il faut, il faut vraiment définir ce dont on a besoin et trouver l'action trouver le, la petite démarche qui permet de, de, de résoudre ce dont vous avez besoin. Voilà, il y a même Romain qui dit j'ai ma propre checklist. C'est la solution idéale. Alors, euh, on peut avoir une checklist, tout à fait, euh, une checklist écrite, c'est-à-dire qu'on démarre de là et on finit la checklist. Et si on valide tous les points, on va être par exemple harnaché, on va euh, avoir euh, démêlé sa voile, etc. Tout à fait. Euh, il faut savoir aussi, là je fais un petit, une petite aparté, en parlant de l'arnachement. Euh, parce qu'on sait qu'il y a un gros risque en parapente, en delta, etc. C'est l'oubli d'accrochage. Donc c'est un truc qui paraît incroyable d'oublier de s'accrocher, mais il y a un contexte qui, où on peut oublier de s'accrocher, je vous le donne très simplement. On est très bien équipé, on fait un premier gonflage, on fait un début de course et ça marche pas, on s'arrête dans la pente et on, et on va remonter, décoller. Pour marcher avec une sellette lourde, souvent on peut décrocher ses cuissardes pour avoir une action euh, plus facile de marche pour retrouver, pour retrouver le décollage. Et quand on arrive au décollage, on a plein de bonnes personnes qui veulent vous aider puis qui rétalent la voile en disant Ouais, vas-y maintenant, c'est bon. Mais là, on a plein de distracteurs extérieurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à refaire son protocole d'arnachement et on, se, on repart sur un gonflage et décollage en n'étant pas attaché. C'est pour ça qu'il y a l'outil en d'accrochage de cuisses mais des fois il euh, y a des sellettes qui n'en ont pas. donc voilà le contexte d'anti-oubli d'accrochage. donc certains disent oui il faut faire une checklist première. Ah, on a un petit souci avec Jérôme, on l'a perdu. En attendant qu'on se reconnecte avec Jérôme, je vous propose de regarder un petit extrait de Wingmaster qui parle justement du décollage d'eau voile. C'était la première chose qu'on voulait vous montrer avec Jérôme. Décollage d'eau voile, et vous avez les conseils de Jérôme, et on se retrouve peut-être, j'espère, avec Jérôme juste après. Ok, je suis prêt à partir. Je suis centré droite-gauche par rapport à ma voile. Mes suspentes sont légèrement tendues. Un pied en avant pour donner une impulsion. Mes coudes sont dans le corps les mains au niveau des épaules. C'est parti. Je pousse vers l'avant la voile monte. Je lâche les avants, je la réceptionne en passant mes épaules entre les élévateurs. Je sens que ma voile est équilibrée en roulis, droite gauche et en tangage avant-arrière, et je vais appuyer sur ma ventrale pesée pour démarrer ma course d'envol et je suis en vol. Pendant le gonflage, je dois tenir la même tension dans mon harnais. C'est pour ça que je fais quelques pas en arrière pour pas que la tension augmente. Allô Une fois que la voile est, est au-dessus. Je lâche je rappelle, les avant et je là. réceptionne, je contrôle ma voile en descendant les freins. Ma posture est plutôt droite. Et à aucun moment, si coupe, je trouve coupe. que mon gonflage coupe. Coupe. est bien équilibré, je n'ai ah besoin voilà. de regarder la voile. Et je vais petit à petit entamer ma course en appuyant sur ma ceinture ventrale et en ayant les épaules bien engagées entre les élévateurs. Je garde bien sûr du frein, je garde le déséquilibre avant jusqu'au décollage. Là, on voit bien. J'ai de la tension dans les freins suffisamment pour contrôler la voile en tangage et pour la direction. Mon regard, tête relevée pour avoir le regard le plus loin possible et un appui ventral vers le sol pour avoir la course la plus efficace. L'appui ventral permet de ne pas forcer pendant la course et de permettre une voile rapide. Donc la décomposition. Voilà, donc là, c'est là, il faut, Ce qui est important là sur le, le dos voile et tout, il y, a, il y a plusieurs étapes en fait. Il faut bien tout décomposer. Euh, c'est la posture de gonflage. Donc on a les bras en W. W, c'est ce qui marche le plus facilement, le mieux, le plus efficace, efficacement avec n'importe quel gabarit de pilote, c'est ça qui est important, ça répondra à une question euh, pourquoi il faut gonfler comme ça. La posture, on est plutôt tr euh, posture très droite avec le buste, euh, la poitrine en avant, en fait, ça c'est important. Et quand la voile arrive au-dessus, c'est-à-dire qu'on a... Euh, on, on va dire, on va porter attention sur certaines choses. Quand la voile arrive au-dessus, on peut avoir les mains qui rentrent dans le champ visuel des 180 degrés à peu près. On va lâcher les commandes et réceptionner la voile, c'est-à-dire la freiner, plus ou moins vite et avec plus ou moins d'amplitude en fonction de la vitesse à laquelle arrive la voile. Une fois que, une fois que ça c'est fait, que la voile est équilibrée en tangage, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser, on va passer les épaules. Ça c'est très important, je vous en reparle derrière. On passe les épaules entre les, élé les élévateurs. Voilà, et on doit sentir les élévateurs sur ses coudes et les, les mains se retrouvent derrière en fait. Alors l'objectif n'est pas de mettre les mains derrière, c'est souvent une erreur classique qu'on voit. L'objectif est de passer les épaules vers l'avant. Ce sont les épaules qui avancent qui fait que les mains se retrouvent derrière. Et il y a deux thèmes importants dans cette décomposition. C'est quand on gonfle, euh, souvent on parle d'appui ventral. Donc là, sur l'impulsion, l'appui ventral, quand on est buste droit pour le gonflage, doit se faire à l'horizontale, l'appui ventral, vers l'avant. On va revoir Et un peu le début, voie... mais euh, voilà, on va le comprendre Et après. Voilà. Ouais. Là, l'appui ventral se fait à l'horizontale, vers l'avant, en regardant loin, en se redressant, en bombant le torse. Quand. La voile est au-dessus, qu'on a contrôlé la voile sur l'axe de roulis, de tangage, et que c'est équilibré. On va passer les épaules, et là, petit à petit, au fur et à mesure que la course se met en place, on va appuyer sur la ventrale. Donc c'est toujours un appui ventral, mais là qui va aller. Qui va se diriger cet appui vers le sol et non plus du tout vers l'avant. Si, quand vous êtes au-dessus, que vous courez, que vous voulez appuyer sur votre ventrale vers l'avant, ça va en contradiction de la charge sur la voile. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est extrêmement important. C'est votre appui ventral vers le sol qui va faire que votre voile va accélérer et donc il sera facile de courir. C'est pour ça que euh, dans, les, dans les étapes de gonflage d'eau-voile, on va selon le moment, porter attention sur des choses différentes. C'est ça qui est important dans la décomposition. Donc au début, on va porter attention sur je bombe le torse, comment je peux savoir que je bombe le torse par exemple si mes épaules se rapprochent mes omoplates se rapprochent, comment je sais que mes épaules sont passées entre les élévateurs? Et eh bien si je sens les élévateurs au niveau de mes coudes par exemple, euh, comment je sais que mes freins sont à la bonne hauteur? Eh bien, parce que je ressens une tension dans les commandes et que je peux avancer. Je ne sens pas de déséquilibre vers l'avant. Voilà des, des termes qu'on utilise en préparation mentale, c'est-à-dire je dois, pour me concentrer, porter l'attention sur des trucs très précis, à des moments particuliers. C'est-à-dire que si je gonfle ma voile et que je porte attention à courir vite, ça ne va pas marcher. On va pouvoir voir une vidéo après. Et Jérôme, donc on a, on a des questions justement. Euh, il y a y a quelque chose moi qui me surprend toujours quand je vois ces images. Oui. La tête elle est droite. Tu regardes <laughs> là où tu vas et il y a pas un instant où tu as regardé la voile et ça tombe bien. Il euh, y a des questions là-dessus. Ah oui. euh, Quelqu'un qui nous demande. Qu arriver. Voilà. Doit-on tourner la tête pour contrôler la montée de voile Et Frédéric nous dit pas de contrôle visuel de la voile lors de la tempo. Point de la tempo point d'interrogation. Mes instructeurs insistaient dessus. Exactement. Donc là, pareil que les lives précédents, on va mettre des nuances sur ce que vous avez entendu, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre... Euh, euh, regarder votre voile et contrôler votre voile visuellement. C'est deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Vous pouvez faire les expériences qu'on fait très facilement sur le terrain, on vous met un petit fanion dans les suspentes arrière à droite en haut, on le dit pas et on vous dit bah, fais comme d'habitude, regarde ta voile et tout, et puis on, on vous demande après est-ce que tu as vu le fanion derrière, personne ne le voit, c'est très compliqué à voir. Alors c'est très compliqué à voir, ou on va dire pas compliqué, mais très technique à faire un contrôle visuel efficace quand vous êtes dos voile. C'est très technique pour qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il faudrait pour pouvoir porter attention à l'ensemble de l'envergure de votre voile, vous arrêtez, déjà ne pas être en déséquilibre avant, être dos droit, ne pas avancer parce que c'est très compliqué de vous mettre à courir tout en regardant en haut d'accord? Donc il faudrait avoir un, euh, carrément s'arrêter au niveau du sol, au niveau de votre déplacement par rapport au sol. Alors ça peut le faire s'il y a 15 km/h de vent, on peut très bien s'arrêter avec le freinage, c'est-à-dire dire à sa voile OK, on s'arrête, le vent me permet de garder ma voile au dessus et là j'en profite pour regarder complètement. Donc là je mets l'importance sur qu'est-ce que je ressens, c'est-à-dire l'équilibre de ma voile Droite-gauche, l'équilibre de ma voile en, vers l'avant ou vers l'arrière, est-ce qu'elle est, qu est au-dessus, est-ce qu'elle me dépasse, est-ce qu'elle est qu continue à monter, voilà, et l'équilibre dans mon harnais. Et ça, c'est largement suffisant pour euh, faire un contrôle efficace de la voile, c'est-à-dire me donner la possibilité de continuer. Donc c'est là où il faut nuancer. Moi, je préfère apprendre aux gens, aux pilotes, en initiation, en débutant, en, en, en stage, de, en, vraiment sur les premiers stages, à mettre l'accent sur la préparation de votre voile au sol, sol cest être sûr et comment vous savez que vous êtes sûr que votre voile est bien démêlée. Ensuite, on met l'accent sur quand vous êtes prêt à partir les mains en W. Il y a un check visuel à faire à ce moment-là. C'est si vos avant et les suspentes avant vont bien en haut de la voile. Deuxièmement, si vous êtes bien centré par rapport à votre voile. Et le troisième point à vérifier, c'est si la drisse de frein coulisse bien dans la poulie. Il n'y a pas un nœud, s'il n'y a pas un tour de frein. Ce sont les trois points importants en check visuel avant de gonfler. Et ensuite, le check au niveau euh, de votre équilibre droite-gauche, avant-arrière. Et c'est largement suffisant pour avoir un beau contrôle de voile. Si vous faites un contrôle visuel et que ne vous voyez rien, on peut se demander à quoi ça sert. Et surtout, si vous essayez de faire un contrôle visuel et qui n'est pas efficace, vous allez passer beaucoup de temps tout en continuant à courir. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose et ça va avoir beaucoup de conséquences sur votre course, sur l'orientation, sur le contrôle de votre voile, puisque vous, à ce moment-là, vous portez toute votre attention sur le contrôle visuel, mais le contexte ne le permet pas. Et la dernière nuance, on peut rendre cette... Le contrôle visuel d'eau voile efficace, mais il faut transformer votre gonflage pour faire un gonflage ou une montée de voile très dynamique, pour que la voile arrive très vite au-dessus de vous, pour qu'elle vous oblige à faire un très gros freinage, et ce très gros freinage va vous permettre de vous arrêter, donc de placer un contrôle visuel efficace. Donc, c'est-à-dire qu'il faut modifier tout le tour pour que le contrôle visuel soit efficace. Donc, testez demandez-vous de quoi vous avez besoin sur un décollage d'eau voile, vent faible, euh, etc. Est-ce que c'est un regard sur la voile qui ne sert à rien ou plutôt un regard sur la voile qui vous rassure vous et qui rassure votre moniteur N'oubliez hein, pas que votre moniteur doit être rassuré. Donc, si vous vous lever la tête et regardez un truc, peut-être qu'il sera rassuré. Mais on n'est pas sûr que vous ayez des contrôles efficaces. Donc, voilà, je vous donne des pistes de, de réflexion. Bon Jérôme, on a, on a encore des petits soucis de connexion avec toi, mais euh, là pour l'instant on te voit, c'est en train de pixeliser, j'espère qu'on va te, te garder jusqu'au bout. Euh, on a justement, alors une question sur le dos voile, et, euh, qui est la suivante. Euh, alors attention, hein, tu, parce que là là c'est euh, un petit peu... Euh, tu tu va vas te faire engueuler, hein. tu vas te faire engueuler. Jérôme, lors d'un stage perf on décoller tous dos voile à cinq reprises, tu m'as fait reprendre mon décollage, car tu voulais absolument que je décolle avec mes mains en W et non pas en mode barbare comme à mon habitude avec les mains en bas chose que j'ai énormément de mal encore à réaliser mmh. ne penses-tu pas que lorsque je décolle deux voiles je devrais prendre la technique qui me va le mieux même si je sais qu'elle ne te plaît pas après 203 essais je n'y arrive toujours pas est-ce que franchement il y a une grosse importance donc Jérôme euh, est-ce qu'il faut te faire plaisir ou pas c'est ça la question alors eh oui exactement c'est non moi j'essaye de te montrer euh... j'essaye de te montrer euh, d'autres techniques qui seront beaucoup qui seront plus efficaces. Mais pour le moment, euh, comme ta technique fonctionne, c'est très compliqué de lâcher un truc qui fonctionne pour toi. Alors pourquoi elle fonctionne pour toi Sûrement en fonction de ton gabarit, tu ne dois pas faire 45 kilos. Euh, ta voile l'accepte, le terrain sur lequel tu voles ac accepte cette technique-là. Mais tu peux être confronté à euh, le fait de partir en gonflage les mains. Écarté en bas de chaque côté du corps, ça t'oblige à partir très fort, ça t'oblige à un effort physique. Ça, c'est le premier truc. Le fait d'avoir les bras écartés sur le, sur le côté derrière va faire que la voile va pas du tout écoper, c'est-à-dire monter de manière très régulière. Elle va plutôt bloquer derrière toi, emmagasiner de l'énergie parce que toi, tu vas mettre la patate et elle va arriver avec de la vitesse au-dessus de ta tête. Donc, le risque. De ça, c'est de te retrouver en léger déséquilibre avant avec les mains derrière toi en ayant mis beaucoup de patates et avoir une voile qui risque de te dépasser. Et comme tu es déjà en déséquilibre avant avec les mains derrière toi, il va être compliqué de freiner. C'est pour ça que sur la vidéo du gonflage d'eau voile, je veux te montrer que le gonflage se fait buste droit pour que l'action aux commandes se, se fasse bien le long des élévateurs. C'est pas parce que tu mets tes mains derrière, des fois on voit cette erreur classique. C'est pas parce qu'on met les mains derrière qu'on met du frein, d'accord On va mettre du frein si on descend les mains le long du corps. Et on a une petite vidéo si tu la Seb, c'est filmé de l'extérieur, c'est sur une pente faible, c'est quelqu'un qui est en progression. Et on voit qu'il part, voilà, c'est celle-là. Regarde cette vidéo, je crois que c'est Alain qui m'a mis ce message. Regarde cette vidéo où toute la priorité du pilote qui part, je ne sais pas quelle expérience il a, mais est mise sur l'énergie et la vitesse. Regarde la voile, comme elle fait, elle met longtemps à monter et là, elle le dépasse, la voile. Et le pilote rattrape la voile en courant, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'a mis du frein pour contrôler sa voile. C'est-à-dire que lui, sa priorité, c'est ce que tu fais à grand coude. Ta priorité est basée, et c'est une priorité qui te rassure, est basée sur la vitesse. Il faut que tu aies de la vitesse. Et comme tu es sportif, ça va marcher. Tu vas pouvoir mettre une pour patate sur une, tu, tu es capable de courir sur 50 mètres à fond la caisse donc ton, ton c'est dommage je vais dire que ton gonflage décollage soit basé sur la vitesse et je pense que tu es largement capable de passer sur quelque chose de plus fin en fait de faire du gonflage et ensuite tu pourras mettre de la course comme tu sais le faire. Tandis que là, tu bases tout sur le truc. Et il n'est pas facile de, ba de basculer d'une méthode qui te rassure parce qu'elle convient à ta pratique extérieure de, de sportif à passer à un autre truc qui, où il faut un petit peu d'entraînement, etc. Et que tu t'appropries cette nouvelle technique. Et si quelqu'un fait 45 kilos, ta technique ne marchera pas. Voilà, je parle aux pilotes, filles et garçons qui sont très petits gabarits. La technique de gonfler bras écartés derrière ne fonctionne pas, à moins dans une pente de 25 degrés. Quoi. Voilà. Et Alain dit Je comprends bien, il va juste falloir que je force moins sur les avant. Non, non, non. Alors, pour forcer moins sur les avant, si tu gardes les bras écartés, tu seras obligé de forcer. Donc il faut que tu, vraiment que tu reprennes la, la petite vidéo d'exemple et que tu gonfles le buste droit, que tu ne cherches pas à aller vite, mais que tu portes l'attention sur le gonflage de ta voile et non pas sur ta course. Il faut que tu changes ton champ attentionnel. C'est vrai que tu... ce qui est impressionnant quand, tu, quand on voit la vidéo là de, de, de Wingmaster, c'est qu'à aucun moment tu cours. C'est bus tout droit, ça, ça a l'air tout souple, alors, tout, tout simple, hyper facile. Alors il y a la voile, déjà, ce sont des voiles de loisirs donc qui gonflent très bien, Alain. Donc il n'y a pas besoin de bourriner sur les voiles. Et, et, et d'autant plus que là, il y a quand même 10 km/h devant. Hein, donc ça facilite. Ça, le fait qu'il y ait 10 km/h devant fait que je n'ai pas besoin d'avancer. Mais voilà cette posture, tu dois travailler cette posture. Surtout pas écarter les bras et être juste en appui et à Tendre. Il faut que tu sois aussi patient. On est souvent pressé, surtout quand il n'y a pas de vent. On veut aller vite parce que si on va pas vite, ça ne va pas marcher. Non, non, on fait du gonflage et quand le gonflage est réalisé, on passe à la course. Deux trucs différents on passe au contrôle puis à la course. Et là, on voit bien la décomposition. Tu restes vraiment très droit et la voile monte au-dessus de ta tête. Tu regardes même pas. Voilà. Et... et ça, et ça marche chaîne, avec toutes les voiles de loisirs sans mmh. vent. Hein. Voilà. C'est assez impressionnant. Euh, Jérôme, une question. Euh, enfin, Laurent qui dit euh, Jérôme, attention, si tu as un vent un peu soutenu, pense à retourner la paume de main vers le ciel pour ne pas trop freiner la voile et pouvoir lui donner de la vitesse. J'ai trop souvent vu des parapentistes partir bien sur la ventrale, mais avec trop de frein. Pas facile de remonter les mains dans cette position. Laurent Nardelet qui nous dit ça. Oui, Laurent. Alors là, ça vient pas de trop de freinage ça vient. Que justement, moi je préconise la paume de main vers le sol et surtout pas vers le haut. Quand, quand la paume de main, quand on bascule, si on passe la paume de main vers le haut, c'est-à-dire qu'on a mis la priorité à mettre les mains derrière. Et alors que la priorité n'est pas de mettre les mains derrière, la priorité est d'avancer les épaules. Et si tu avances tes épaules en fin de gonflage, tu verras qu'il y aura pas de frein sur ta voile et les paumes de main restent vers le sol. Pour moi, c'est une erreur de tourner les, les mains, la paume de main vers le ciel. C'est qu'il y, y, y a un bug au niveau gestuel avant. C'est que la priorité a été mise de mettre les mains derrière et non pas de passer les épaules en avant. Tu peux passer tes épaules en avant, en fait les mains ne bougent jamais, elles sont toujours au même endroit. C'est l'expérience que je fais faire aux pilotes. Je leur dis avance tes épaules et ne bouge pas tes mains. Et on se retrouve dans la position du chicken run. Alors que si on peut rester droit en mettant les mains derrière, on a une vidéo d'un gars là, qui court, qui n'arrive pas à courir, mais il met les mains derrière. Donc il a beaucoup de frein, mais il n'arrive pas à courir. Il a les mains derrière. Donc l'objectif n'est pas de mettre les mains derrière, l'objectif c'est d'avancer ses épaules. C'est ça le, le, le petit secret du chicken run. Parfait Jérôme, merci pour euh, tous ces conseils. Est-ce qu'on a encore des choses à voir sur le, sur le gonflage d'eau voile Ou euh, tu veux qu'on parle du phase voile Non, euh... voilà, à moins qu'il y ait des questions, mais oui, voilà, il fallait parler. Oui, on peut, on peut mettre un petit axe, on peut mettre une petite nuance sur la tempo. On parle beaucoup de temporisation, temporisation. Je peux considérer. Hein, C'est mon avis en tant que moniteur que si on parle de temporisation, pour moi, la temporisation a changé un petit peu de connotation. La temporisation maintenant est beaucoup plus, le terme est beaucoup plus utilisé en voltige, c'est-à-dire freiner sa voile sur des mouvements de tangage dynamique et profond. On parle de temporisation, tempo. Alors que sur un gonflage, on utilise ce terme, mais je trouve qu'il qu est plus euh, juste ce terme et que moi, je préfère appeler ça le, 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 le contrôle de la voile, la réception de la voile je considère qu'en tant que pilote si je suis à 10 kilomètres heure devant et que j'ai besoin de, dé, de faire une temporisation en fin de gonflage et de mettre les mains sous les fesses c'est que mon gonflage a été beaucoup trop dynamique voilà et que justement le, le travail du pilote c'est de faire monter la voile doucement jusqu'en jusqu haut et on peut le faire en réduisant l'énergie qu'on met pendant la montée de voile si on met beaucoup d'énergie elle va aller vite ça obligera de faire une tempo, un gros coup de frein plus bas. Et on peut, on peut nuancer ça. On peut faire simplement une réception de voile au frein, un contrôle de voile au frein, sans avoir besoin de mettre les mains sous les fesses. Voilà. C'est une petite nuance. Sinon, voilà, on a parlé de l'appui ventral vers l'avant, l'appui ventral vers le sol. Ça, c'est les points importants. Euh, la posture de départ, la posture de course, qui est différente. Et quand on court, c'est pour ça qu'il faut pas mettre. Et un autre terme aussi qu'on entend, fait des grandes enjambées. Alors il ne faut surtout pas faire des grandes enjambées pendant le gonflage, puisque si vous mettez, portez la tension sur faire des grandes enjambées, petit à petit ça va ça va venir gêner votre passage d'épaule entre les élévateurs parce que vous, avez, vous allez vouloir aller vite et donc levez les genoux comme, comme quand vous courez autour d'un stade, ça ne marche pas en parapente. En parapente, quand vous courez, vos pieds sont en dessous de votre corps et les pieds vont derrière vous, mais jamais devant. Voilà, ça c'est un petit terme. Et j'arrêterai là-dessus pour la technique. Et la question c'est de vous dire comment je peux faire tout ça. Et c'est pour ça que la, la force de, de l'image, il faut vraiment vous en servir au niveau imagerie mentale et visualisation. Soit vous utilisez des vidéos qui existent, par exemple Wingmaster, ou de de pilotes qui font des gestuels de décollage euh, qui, qui sont qui, qui où vous vous dites ça c'est comme ça que j'aimerais décoller. Donc il faut les regarder ces vidéos et ensuite vous imaginez en fermant les yeux que c'est vous qui faites ce gestuel là pour que votre cerveau l'intègre et en l'intégrant de manière imaginaire petit à petit vous allez l'intégrer concrètement et vous pouvez aussi vous faire filmer pour ensuite regarder votre vidéo de gestuel de gonflage, parce qu'il y a des gens pendant dix ans ils font exactement le même gestuel, ils sont persuadés d'en faire un autre. Et donc en vous voyant en faire, c'est là où vous dites Ah oui, c'est vrai que j'appuie pas sur la ventrale vers le sol, mais j'appuie vers l'avant. C'est vrai que je cherche plutôt à courir plutôt qu'à euh, à mettre l'accent sur le pilotage de ma voile ou le chargement de ma voile. Voilà. Donc utiliser les vidéos, c'est magique maintenant et c'est d'une e grande efficacité. Merci Jérôme. Des petites remarques et questions. Euh, on a Nicolas qui nous dit le but de l'écopage et de la réception n'est-il pas de synchroniser les vitesses L-pilote avant de prendre sa décision et de lancer la course d'envol tout à fait. C'est-à-dire que la vitesse que vous, que vous mettez en place, la, la vitesse de montée de voile, quand la voile arrive au-dessus, elle a beaucoup plus de vitesse que le pilote. Donc, ça sert à ça, la réception de la voile, le contrôle ou la temporisation, vous l'appelez comme vous voulez. Le, le freinage, il va servir à ça. C'est exactement ce que tu dis c'est de mettre la vitesse de la voile, ou plutôt de dire à la voile d'attendre pour que le pilote ensuite puisse faire avancer la voile et que le pilote et la voile avancent à la même vitesse. Ou plutôt accélère de manière euh, homogène ou ensemble, que le pilote et la voile puissent accélérer ensemble, bien sûr, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. C'est pour ça que sur un décollage, il y a un truc qui est super important, on ne, on, ne, on ne rattrape jamais sa voile dans la course, parce que le risque, si la voile passe devant, on peut la rattraper, mais il faut plutôt la freiner, parce que si on cherche à la rattraper, on peut être sur un décollage, on n'arrivera pas à la rattraper, donc elle va toujours aller plus devant jusqu'à la fermeture c'est chaud sur un décollage, une fermeture frontale à 35 km heure. Jean-Claude nous dit C'est surprenant ce calme. Moi qui ai tendance à bourriner en dos-voile, je vais refaire mes gammes. Voilà, effectivement. c'est Exactement. C'est un des avantages de, de. Pourquoi je veux vous, vous parler du dos-voile et non pas que du face-voile C'est parce que le dos-voile, c'est plus technique qu'un face-voile maintenant. Et ça, ça oblige à décomposer votre, votre déplacement du corps. Ne forcez pas. N'oubliez pas que les concepteurs, maintenant, quand ils vous voient gonflés en bourrinant comme ça, ils passent des heures à faire des voiles et qui gonfle bien sans effort faites plaisir au concepteur <laughs> et euh, faites-vous plaisir Et Cédric justement nous dit sur certains modèles de Select String, la ventrale est minimaliste euh, pas facile de charger en gonflage de voile, euh, quel conseil donnerais-tu tout à fait. C'est pour ça que c'est une très bonne question parce que ça me permet de revenir sur le dos-voile. Euh, le, le réglage de la ventrale peut aller, c'est-à-dire le réglage de l'écartement de la ventrale peut aller en contradiction avec le passage des épaules. Euh, si votre ventrale est trop serrée, quand la voile arrive au-dessus de vous, elle va avoir tendance, si vous ne passez pas vos épaules, la, la, la sellette va avoir tendance à monter. Et donc la ventrale va plus se trouver au niveau du nombril, mais au niveau de la poitrine. Donc ça va être très compliqué de charger la ventrale vers le sol avec une ventrale au niveau de la poitrine. Et ça dépend des gabarits aussi. Si vous êtes un bon gabarit avec un petit bidon ou un gros bidon, devant, c'est accentué. Donc il faudrait plutôt desserrer votre ventrale avant de décoller, avant le gonflage, pour que vous puissiez passer facilement vos épaules. Et c'est pour ça qu'aussi... Le, le fait de passer facilement les épaules doit se faire assez tôt si vous regardez le petit passage qu'on vous a montré au niveau des images vous avez vu que mes épaules passent juste en fin de gonflage je commence à passer mes épaules pour bloquer la ventrale assez basse c'est une petite technique si vous attendez trop et pourquoi on peut attendre trop C'est là où on revient sur le contrôle visuel parce que si vous regardez votre voile à ce moment-là, vous allez être très droit, lever la tête et la, la, la sellette va monter, de, va monter en fait, et vous allez vous retrouver la ventrale à la poitrine, vous n'allez plus pouvoir appuyer dessus. Et donc oui, les sellettes string sont, ont souvent une ventrale qui est fixe, environ 42 cm, 43, 44, et suivant les gabarits, ça peut gêner au passage des épaules. Donc la solution, c'est de passer les épaules tr très tôt, pas complètement, mais très tôt. Merci Jérôme pour toutes ces infos. Euh, Est-ce que tu veux que l'on passe Alors en biplace nous demande Eric, il y a plein de encore des questions et puis après on va passer au, au phase voile. Euh, donc en biplace, comment tu procèdes? Et ben en biplace, on peut pas le faire. Tout simplement. Alors on peut pas le faire, on peut nuancer. Ça, ça dépend vraiment des pilotes. C'est-à-dire qu'en tant que pilote, ça sert à rien de, 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 de dire à votre passager qui peut se pencher un peu en avant, il ne faut pas trop le dire parce que le risque c'est qu'il fasse Superman et c'est qu'il mette tellement d'appui ventral. Euh, qui se retrouve la tête par terre. Donc il faut lui dire de se pencher un peu en avant, mais vraiment pas insister dessus. En tant que pilote, moi j'ai tendance, en tant que pilote biplace, à, à m'écraser sur le à m'écraser sur le passager, un petit peu entre guillemets, m'écraser, parce que je, je veux garder, j'ai le réflexe, c'est un peu une erreur aussi, de garder un petit peu mon gestuel de solo. Mais c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez aussi, en tant que pilote, vous décaler un petit peu sur le côté du passager pour pouvoir courir facilement. Et oui, on fait pas d'appui ventral en biplace, très bien. Donc, il faut, sur les décollages où il faut courir longtemps, c'est plus technique, oui. Saint-Leu, par exemple, oui. Merci Jérôme. On se, on parle du du face-voile maintenant après le le dos-voile. Euh, J'imagine oui. que là il y il a, y, a, y a de quoi parler euh, encore. <laughs> Euh, Est-ce que, ben bah voilà, on a un petit extrait de Wingmaster une fois de plus. Euh, oui. On vous rappelle dans, ce, dans le chapitre 5 de Wingmaster, il y a toutes les techniques de, de décollage euh, sans vent ou avec peu de vent. et Il y a un autre chapitre avec euh, du vent fort euh, où Jérôme vous, vous montre toutes les techniques, notamment le Cobra sur le vent fort. On l'abordera peut-être un petit peu euh, aujourd'hui euh, tout à l'heure. Euh, là, tu nous montres le face-voile euh, simple sans vent. Euh, oui, oui, oui. Là, peu de vent, oui. Avec Ou avec peu de vent, je la sais technique pas, ouais, la je, plus je, simple. Oh, ouais. C'est parti. Donc, ça, c'était euh, dans, dans Wingmaster, en fait, dans le face-voile, le but, c'était de montrer plein de choses différentes, et notamment le gonflage phase voile avec très peu de vent, puisque maintenant, les ailes le permettent. Ça y est, je peux ça, te le mettre comme ça, excuse-moi. Hein, voilà, là, c'est bon. Voilà voilà et c'est un des gros avantages le, gonf le gonflage face voile avec très peu de vent c'est qu'on a là on a un contrôle visuel possible et efficace qui est plus facile à faire donc avant de gonfler toujours vérifier son environnement s'il y a d'autres personnes euh, et au niveau de l'aérologie si c'est le bon moment et ça c'est un essai qui permet de pendant lequel je voulais montrer la, la sollicitation des avants, plusieurs mouvements, je tire sur les deux avants, je relâche, je tire, je relâche. Ça, c'est une technique qui fonctionne bien quand il n'y a pas beaucoup de vent, euh, qui permet de solliciter le bord d'attaque. Pour, pour savoir si c'est correctement fait, il faut que le bord d'attaque garde une très belle forme ouverte, qu'il n'y pas trop de, Il ne faut pas que le bord d'attaque soit fermé pour montrer que l'écopage est efficace. On voit aussi que l'action sur les avants est de faible amplitude. C'est comme si on lançait la voile. Et ça, ça a un des gros avantages, c'est que, que ça permet de ne pas courir en marche arrière. Courir en marche arrière, quand on fasse voile, c'est euh, un risque de se casser la gueule, de trop courir et d'empêcher de, la voile de monter. Donc l'objectif de cette méthode, c'est de faire très peu de déplacements au sol. Quand la voile arrive en haut, sur cet essai-là, je me retourne quand la voile finit son arrivée. Et je me retourne, c'est pour ça que j'ai déjà un peu de frein. Le contrôle a commencé au début du retournement. Et dès que j'ai commencé mon retournement, je passe tout de suite mes épaules en avant pour bloquer la ventrale. Et ensuite, je vais me mettre à appuyer sur la ventrale pour emmagasiner de la vitesse moi et la voile. Voilà, je passe en mode décollage. On voit aussi sur cet essai qu'avant de partir, j'ai bien les commandes, je les ai mises en bracelet, là, ce qui fait que quand je me retourne, j'ai les commandes en dragon. Voilà. Donc voilà quelques, quelques images euh, de gonflage face-voile sans vent. Alors, il y a des questions. Oui, il y a déjà une question de, de Romain qui dit :« En décollage face voile, je prends les freins seulement une fois retourné, car avant je freine, je ne freine jamais du bon côté, je me mélange les pinceaux, je freine aux suspentes. Est-ce dangereux de prendre les poignées de frein seulement à ce moment-là retourné ?» Oui. Alors, sur un décollage comme les images qu'on vient de voir à Saint-Leu, c'est une pente faible, pas de vent. Si tu te retournes et que tu n'arrives pas à prendre tes, tes commandes, ça va, ça, ça risque de s'arrêter. Tu ne te mets pas trop en danger. Par contre. Euh, sur un décollage raide avec du vent, le risque, c'est que euh, c'est que la voile, tu, tu dois pouvoir la piloter après le retournement. Et si là, ta priorité, c'est de porter l'attention sur la rechercher tes commandes et les prendre en main, tu rates quelque chose et tu peux te mettre en danger. Donc, il faut que, plutôt que tu revoies ta manière de prendre les commandes avant de démarrer ton gonflage. Donc là, pareil, euh, c'est compliqué de l'expliquer. Euh, à l'oral comme ça, mais il faut avoir les commandes en main, les commandes, ce qu'on appelle les commandes croisées. Hein. Quand je parle des commandes, c'est les freins, ils sont déjà croisés pour que quand tu te retournes, les commandes soient déjà dans les bonnes mains. Lionel nous dit, il y a quand même beaucoup de freins. Euh, alors je comprends pas, il me dit hmm. que quand il fait lui, il, Je ne sais pas, Non, je, je pense freins, que c'est une, une remarque euh, peut-être sur la vidéo, il y a quand même beaucoup de freins. Ah. Oui, et alors, on, 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 on s'en fout de beaucoup de freins, puisque... On, on s'en fout dans le sens, euh, puisque ça marche, je peux mettre beaucoup de freins au moment du retournement dans mon contrôle de voile, parce que ça c'est une voile de performance, alors peut-être qu'elle arrive un petit peu vite au-dessus de la tête. Et n'oubliez pas que pendant le retournement, on a tendance à avoir un dos droit et à se redresser, donc à alléger la voile. Et la voile, pendant ce moment-là, comme on est, on est plutôt en retournement et qu'on n'avance plus, la voile a tendance à... à aurait tendance à nous dépasser. Donc, ce qui peut impliquer de mettre un peu plus de débattement aux commandes. C'est pour ça que euh, on ne regarde jamais la quantité de frein que vous mettez. On regarde la quantité de freins que vous mettez et ce que ça a comme conséquence sur la voile. Si votre voile est contrôlée en tangage, même si vous mettez les mains sous les fesses et que ensuite vous pouvez vous mettre à accélérer la voile aussi, ben, on, on s'en fout de la quantité de frein On a une question. Puisque le résultat est bon. On a une question, Jérôme, euh, qui nous était parvenue avant le live. Oui. Bonjour, Jérôme, face voile. J'hésite souvent sur le moment où se retourner, oui. légèrement avant que la voile soit au-dessus de la tête, ou quand elle est au-dessus, je suppose, que ça dépend du contexte, dit Isabelle depuis la réunion, qui te connaît bien, puisqu'elle peut parler Oui, salut Isabelle. Alors, je, elle met le contexte avec, parce que je parle, je parle toujours du contexte, exactement ça. En fait, c'est très difficile de généraliser ce qui y a à faire sur un gonflage face en disant il faut se retourner maintenant pas maintenant donc il faut te dire que euh, alors si on généralise il faudrait dire si la pente est forte avec du vent il faudra se retourner avant le contrôle de voile pourquoi parce que le contrôle de voile qui est le freinage en fait va va te faire décoller donc si tu décolles le risque c'est de décoller twisté donc c'est pour ça que dans une pente avec du vent, la voile va monter très facilement jusqu'en haut. L'objectif sera plutôt peut-être de l'arrêter et elle va finir toute seule sa montée. Donc tu peux te retourner avant et faire ton contrôle de voile au frein suite à ton retournement. Pour que si tu si contrôles ta voile et que tu décolles, eh bien, tu sois dans le bon sens. Sur un décollage plat avec du vent ou sur un décollage plat sans vent, tu peux te retourner après. Le contrôle, puisque le contrôle ne va pas générer le fait que ça te soulève. Donc, tu as moins de risque de décoller twisté. Voilà, les, ça, c'est un critère générique, on va dire. Ensuite, il faut te dire que tu as les capacités, puisque tu sais faire les deux, de te dire je vais gonfler ma voile. Et c'est là où il faut basculer sur à quoi on va mettre la priorité, sur quoi on va mettre la tension. C'est pendant qu'elle monte, on va mettre la tension sur différentes choses. Est-ce que ma voile monte vite ou pas euh, euh, si ma voile monte vite, peut-être me retourner plus tôt que prévu. Ou euh, si ma voile monte vite, me déplacer vers ma voile pour euh, limiter sa vitesse. D'accord Donc ça veut dire en gros que tu vas t'adapter à, à ce qui se passe en temps réel. Voilà, une adaptation en temps réel. Pourquoi Parce que tu as les capacités techniques de faire plein de choses. Donc au lieu de te dire avant de partir, je vais faire ci, commence ton gonflage et en fonction de ce qui se passe, tu Fais évoluer ta technique, tu t'adaptes, peut-être te retourner tout de suite, peut-être que tu as le temps, etc. Une question de Joss, pour le gonflage face voile, le frein, est-ce que tu prends les freins en main ou seulement en dragonne Car les freins en main, on met souvent un peu de frein, ce qui ne facilite pas le gonflage. Alors oui, quand vous faites un gonflage face voile, les, les commandes croisées, je préconise plutôt de prendre les commandes en chasse d'eau. En fait, chasse d'eau, c'est-à-dire les mains dans les poignets. Pourquoi Pour limiter le freinage, l'action sur le bord de fuite pendant votre gonflage. Et souvent, on voit, c'est un truc classique, c'est qu'il y a du vent. Et quand on gonfle, on, avec les mains un petit peu basses, qui tirent sur les, les avant ou pas, mais le, on a facilement un peu de frein et la voile monte mal. Et elle aura tendance à ce qu'on dit, à savonner. C'est-à-dire, quand elle monte, elle va partir à droite, à gauche, sans vraiment monter. Elle va avoir de l'instabilité sur le gonflage. Donc, en prenant les mains. Les commandes en chasse d'eau, on limite cet effet-là. Donc ça, vous pouvez tester quand vous faites des gonflages sur le plat, en fait, quand vous vous entraînez. Vous faites des gonflages sans tenir les commandes. Vous faites un gonflage commandant chasse d'eau et vous faites des, un gonflage euh, mais en dragon. Vous allez voir la différence de montée de voile. En gros, quand vous ne tenez pas les commandes, la voile monte super bien très régulière, sans accélérer, etc. Et quand vous commencez à tenir les commandes, plus vous tenez avec prise en dragon, etc. C'est pour ça qu'on ne fait pas non plus de métiers de frein quand on gonfle sa voile. Plus le, le gonflage est moins régulier, en fait. Il y a euh, Sébastien qui demandait si important de garder un cap. Si oui, pourquoi À quel moment un cap quand on décolle Mais je pense oui. Alors, euh, ben c'est. Euh... C'est exactement comme je te répondrais. Est-ce que tu es sur la route en vélo? Est-ce que tu gardes ton cap? Euh, c'est indispensable. C'est justement, on va te montrer une vidéo de quelqu'un qui garde pas son cap. Tu vas voir, ça, ça va répondre à ta question. Bien sûr, la question, c'est comment garder son cap? C'est en place, en portant l'attention un moment sur qu'est-ce que tu regardes. Et ça, il faut le choisir avant, en fait. Il faut choisir un point particulier. Et au moment où tu te mets à, à te mettre en mouvement, euh, il faut que ton cap soit tenu, puisque par rapport au cap que tu as choisi, donc il faut placer ton regard à un endroit très précis. Et souvent, les gens qui courent en regardant leur voile, ils ne pas, ils regardent pas où ils vont. Donc ça crée un problème. Voilà, c'est celle-là de vidéo que tu peux montrer, Seb. Regarde cette vidéo, ça répondra à cette question. C'est à Saint-Leu, donc il y a 15 km heure devant, travers gauche. Et là, regarde, travers gauche, donc la voile part à droite, et là le, le pilote s'occupe plutôt de s'installer dans sa sellette. Donc comme il s'occupe, il porte l'attention à s'installer dans sa sellette et plus du tout sur son cap ni sa trajectoire. Donc il se laisse embarquer à droite et il arrive dans des zones turbulentes, une espèce de petit vallon à droite. Donc il se prend la moitié de la voile sur la figure. Voilà. Après ça sort, hein, il continue à voler. Mais voilà la réponse pourquoi le cap est important. Regarde, là il cherche à s'installer et non pas à se diriger. Voilà, un petit exemple visuel qui peut te dire pourquoi il faut re, re, avoir un cap et surtout comment il faut le faire. C'est le placement du regard. C'est pour ça qu'on dit on s'installe quand la voile, euh, quand vous avez décollé, quand le cap est bon, quand la voile est pilotée, c'est pas turbulent, etc. Quand on s'éloigne du relief, ensuite on va porter l'attention sur l'installation dans la sellette. Mais on ne peut pas porter attention sur deux choses en même temps. Hein. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent les filles arrivent à faire deux choses en même temps. Oui, elles arrivent à faire deux choses en même temps. Mais elles ne peuvent pas porter comme n'importe quel humain porter attention sur deux choses en même temps, c'est pas possible, c'est qu'il y a un truc qui est fait automatiquement et un truc sur lequel on porte, porte l'attention. Donc on peut porter l'attention que sur une chose à la fois. Donc, si à un moment la priorité c'est le cap, on ne peut porter l'attention que sur le regard et le cap, et tout le reste est en automatique le pilotage de la voile, etc. Une question, Jérôme, de Thierry. Euh, et après, tu verras, on a une, une salve oui. de questions euh, qui concerne un, voilà, un truc que, que, dont tu t'attends. Euh, alors, pour Thierry, dans la préparation, pour ceux qui volent avec un calepier, que penses-tu du truc qui consiste à le passer entre les jambes avant le déco pour pouvoir l'attraper plus facilement en vol oui, alors c'est tout à fait. C'est une technique qui permet à ce que le calpier ne, ne te gêne pas, parce qu'en plus le calpier est assez lourd et, et plutôt plus bas que l'accélérateur. L'accélérateur, il faut pas s'inquiéter de l'accélérateur parce que quand vous gonflez votre voile. À condition que l'accélérateur soit bien réglé, il ne vous gênera pas pour courir. Ceux qui ont l'accélérateur qui les gêne pendant la course, c'est que l'accélérateur n'est pas réglé. Quand il est bien réglé, il est collé à votre sellette en fin de gonflage. Donc, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Le calpier, lui, est quelque chose de lourd en bas. Il y a souvent une barre, une barre avec du poids pour qu'il soit qu'on puisse le prendre facilement et qu'il ne soit pas dans le vent relatif derrière vous après le décollage donc oui c'est une technique à condition que tu puisses le maintenir assez haut parce que le risque c'est que le calpier passe sous tes genoux pendant que tu cours donc si tu as un décollage avec du vent ça pose pas trop de problème puisque tu n'auras pas besoin de courir vite mais sur un décollage comme à Saint-Leu, comme à Saint-Hilaire par exemple ces grands décollages euh, où, il faut, où il est nécessaire de pouvoir courir longtemps puisqu'on décolle sans vent il faut pas qu'il y ait un truc qui gêne ta course donc la question c'est est-ce que tu euh, est-ce que tu peux pas choper ton calpier sans le mettre entre les jambes avant de partir Donc tu peux faire des essais. Jérôme, les questions tant attendues euh, pour le face voile. Alors là, il y, a une, il y en a une série, mais je vais te faire le résumé, c'est euh, en l'occurrence, est-ce qu'on prend deux élévateurs, euh, un dans chaque main ou tout dans une main euh, Voilà, il y a plein de questions là-dessus. Euh, ouais. euh, bon, je te, je te précise pas, mais c'est à peu près toujours toujours pareil. Est-ce qu'on prend les deux élévateurs dans ouais. une main et ou est-ce qu'on les prend euh, un dans chaque main Qu'est-ce que tu préconises? Il y, a, il y a plein de techniques différentes. Le, le, votre objectif, vous, en tant que pilote, c'est d'avoir une technique efficace et surtout adaptée aux conditions dans lesquelles vous êtes. Donc, on peut, euh, là, sur l'exemple qu'on vous a montré avec Seb, là, sur Wingmaster, j'ai bien un élévateur les commandes croisées, mais un élévateur dans chaque main puisque ça va me permettre de jouer sur profil sur bord d'attaque droit bord d'attaque gauche donc je peux je peux rajouter un élément de pilotage pendant la montée si le vent est fort c'est moins nécessaire donc moi quand le vent est fort je c'est pas la même priorité je vais je vais prendre ma priorité sera plutôt sur un gonflage symétrique donc je vais prendre les deux élévateurs avant dans la main du côté où je vais tourner après. Donc moi, je tourne plutôt souvent côté gauche. Donc je vais prendre mes deux élévateurs avant dans la main gauche. Jérôme, on... ça c'est un premier truc. Oui. Oui. Oui, oui. Euh, donc je vais prendre les deux élévateurs avant dans la main gauche. Ensuite, et ça va aussi me permettre. Alors comme j'ai les deux élévateurs avant dans la main gauche, bien sûr, je ne peux pas piloter avec la main gauche. Et c'est là où je rajoute. Euh, J'ai la commande droite dans la main droite, mais je peux rajouter avec mon index droit un pilotage, un appui sur la drisse main gauche. Voilà, ce sont des petites techniques, mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails à l'oral. Hein. Il vaut mieux, mieux voir comment on fait. On a tout dans Wingmaster. Euh, hein, il voilà, okay. y a beaucoup de choses dans Wingmaster. Euh, ensuite, le, on peut aussi faire un gonflage, parce que ça, c'est sûrement une question qu'il y a. Les, les commandes toujours en main, bien sûr, commandes croisées toujours en main, les deux avant dans une main, main gauche par exemple, et les deux élévateurs dans la main droite, dans l'autre main. Ça, ça permet quoi? Ça peut permettre un contrôle de la voile quand il y a beaucoup de vent, quand la voile arrive au-dessus, un contrôle aux arrières permet de moins créer de portance. Donc, les voiles a moins tendance à vous soulever si vous la, entre guillemets, matraquez aux arrières dans du vent fort quand elle arrive au-dessus. Elle va s'arrêter au-dessus de vous en vous soulevant moins que si vous le faites au frein. Voilà. Donc, voilà d'autres techniques. Et c'est, et c'est pour ça que c'est bien de jouer dans le vent. Vous allez avoir un panel de techniques. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à essayer des trucs pour que vous puissiez euh, utiliser telle ou telle technique suivant les conditions dans lesquelles vous vous êtes confronté. Une question, Jérôme, qui a été posée avant le, le live. Oui. Euh, je suis débutant en progression avec 60 vols. Lorsque je décolle face voile, j'ai opté pour la technique enfiler les freins autour des poignets et lever chaque avant indépendamment avec les mains qui se trouvent devant. On m'a parlé d'autres possibilités. C'est ce, ce dont tu viens de parler, attraper les deux freins avec une seule main et un doigt, utiliser l'autre main pour lever les avant. Après avoir essayé les deux, je suis ravi d'avoir les freins déjà en main et ne comprends pas les, in les intérêts de la deuxième technique. Saïa nous écrit. Bah la la de la, la deuxième technique, on a aussi les freins en main, hein, c'est ce qu'on disait. On ne change pas, en fait. Les, la prise des commandes, c'est pareil. C'est simplement le fait d'avoir une mobilité des mains. Tu vas pouvoir jouer. Euh, Indépendamment sur les avant comme tu fais, mais tu peux aussi jouer sur les arrières. En fait, c'est ça le truc d'apporter différentes techniques, c'est que ce n'est pas une technique qui est statique, parce qu'une technique qui est statique, à un moment qui est figé qui est toujours la même, elle va marcher dans toujours les mêmes conditions. Mais dès qu'il va y avoir euh, des, des changements de conditions, si tu changes de déco, etc., si, as, si, si, si dans ton sac tu as un petit peu plus d'outils, tu pourras mieux t'adapter, moins te faire surprendre. Et regarde, là, tu vas pouvoir répondre exactement la même chose à Ariane qui te demande, en phase voile, on a tendance à se retourner toujours dans le même sens. Recommandes-tu de s'entraîner à le faire dans les deux sens ou assurer en maîtrisant un sens oui. qu'on préfère naturellement Alors moi, moi, personnellement, je tourne quasiment tout le temps à gauche. Par contre, euh, si ça marche bien, le, pourquoi on va, il y a un sens qui va être privilégié, ça dépend si le vent est travers ou pas sur le décollage. Donc si je suis sur le décollage et que je regarde le bas de la pente et que le vent est travers droit... Quand je vais gonfler face à la voile, c'est-à-dire que le vent va être à travers gauche, hein, je vais l'avoir sur ma gauche, il, il est préférable de tourner à gauche. Pourquoi Parce qu'il faut tourner côté au vent. Ça vous permet de faire juste un quart de tour. Si le vent vient de sur votre gauche, vous êtes face à la voile et le vent vient de votre gauche, et vous avez l'habitude de tourner à droite, il va falloir que vous fassiez trois quarts de tour avant de vous, vous, de vous retrouver face à votre voile. Parce que la voile, par effet girouette, elle va se mettre face au vent. Et donc ça, c'est ce qu'on montre dans Wingmaster, c'est-à-dire que le sens de retournement peut devenir carrément important si le vent est travers sur un décollage. Et que tu dois jouer dans la pente et gonfler ta voile vent travers. Donc voilà pourquoi il est bien de, de, de savoir faire aussi de l'autre côté. Mais ce n'est pas facile parce que quand on ancre un, un sens de rotation, faire de l'autre côté, on perd un peu ses sensations. Donc ça demande un, un apprentissage. Et Ariane dit, rajoute, mais sauf que normalement, on décolle face au vent, non oui, mais ça dépend. Tu peux avoir un léger vent travers sur un décollage, mais que la pente, comme le vent et, et suivant le vent, tu, tu vas choisir la pente pour décoller, non pas le vent. Tu choisis le vent pour le gonflage, mais pas la pente. Donc, il faut qu'après ton retournement, tu puisses être dans l'axe de la pente. Il faut que tu puisses te retourner. Euh, te, toi, ton gonflage, tu le fais bien dans le sens de la pente et ta voile, elle va se mettre face au vent. Donc, c'est ça la, la, la petite nuance. Et ton sens de rotation va, limi va limiter la quantité de rotation que tu vas faire. Fais un essai, tu verras. Tom nous dit j'ai vu dans Wingmaster et tu l'as redit ce soir qu'en gonflage face voile avec du <laughs> avec une seule main en tenant les élévateurs avant du côté du côté où l'on va se tourner. Depuis que je gonfle face voile, oui. je les tiens main droite et me tourne vers la gauche et je n'ai jamais trouvé d'inconvénient Quel pourrait être le risque de continuer à faire comme ça. Alors, il n'y a pas de risque, mais si tu tiens tes élévateurs main droite. Euh, ça pose deux problèmes, c'est-à-dire que tu n'as aucun contrôle possible sur, sur cette main droite avec les freins. Pourquoi Parce que ta main gauche, elle ne peut pas passer de l'autre côté de ton corps pour toucher la suspente euh, de, de l'aile côté droit. Ça, c'est le premier... Inconvénient. Le deuxième inconvénient c'est si tu les tiens main droite au moment du gonflage, tu vas être plus embêté que moi qui tiens main gauche parce que main droite à un moment ta main elle va être devant le visage et il va falloir la lâcher en fait. Donc ça c'est le deuxième inconvénient. Mais le premier inconvénient qui peut amener un risque c'est que as, tu peux contrôler ta voile au frein que d'un côté avec cette technique là. Tandis que si tu les prends main gauche, tu peux contrôler ta voile euh, de l'autre côté plus facilement. Et Gérard nous demande si en biplace ouais. si bi on fait la même chose et notamment concernant la poignée du secours. Alors pour le retournement en biplace, il y a un autre facteur à tenir compte, c'est de quel côté placer ta commande, ton, ta poignée de secours, pour pas qu'elle soit en interaction avec le passager, ou pour pas que la, le passager qui a pour une appréhension quelconque, un déséquilibre de son corps, vienne toucher ta poignée. Donc euh, voilà, tu, le, moi je tourne toujours à gauche en mi place. Toujours, la plupart du temps, je tourne à gauche, donc j'ai ma poignée de secours à droite, ça m'arrange bien. Quoi. Jérôme, je te propose de regarder une petite vidéo d'un déco face euh, voile pour que tu nous le commentes, euh, qui a l'air euh, oui. pas trop mal, celui-là. Euh, Tout à il fait. Y a quelque chose. Donc ça, c'est un pilote qui nous a envoyé ça, ouais. C'est Sébastien. Je c'est je Arnaud. Arnaud. C'est Arnaud, voilà, qui nous envoie cette vidéo. Ça a l'air pas mal. Voilà, repasse là, parce que je... ouais, c'est joli. On, peut... On va faire une remarque ou deux. Voilà, quand il arrive, il a, Alors, il a un premier contrôle de voile quand la voile arrive au-dessus. Je vais Et, quand... Et pour son, re... voilà, arrête là, maintenant. Et là, quand il se retourne, pour pouvoir se retourner, il remonte les mains, ce qui l'oblige à remettre un coup de frein après le retournement. Donc ce qu'on peut dire à Arnaud, peut-être qu ce qu'il peut travailler, c'est au moment de son retournement, au lieu de se redresser, c'est-à-dire tendre les jambes, au contraire fléchir les jambes pour garder du frein, en fait. Pour éviter de donner ce coup de frein, pour, pour éviter que le contrôle de. de le, le, pour éviter que le contrôle se fasse en, en deux mouvements de frein. Et il est obligé de refrainer après son premier contrôle, après le retournement, parce que comme il s'est remis bras haut, ben la voile. À accélérer de nouveau, donc il est obligé de rebalancer un coup de frein. Donc il, tu peux jouer là-dessus Arnaud, tu essaieras. Hein Au final, c'est un peu l'inverse du face-voile du, du, du où tu disais qu'il fallait rester... Euh, du dos-voile, pardon, où il fallait rester très droit. Euh, là, il faut se, se baisser un peu, quoi. Euh, oui, parce que la pour le fait le contact. de se baisser un peu, voilà pour garder le, la charge en fait avec la voile, parce que quand on tourne, on a tendance à se redresser. Donc là, il faudrait s'abaisser en fait, fléchir les jambes au moment du retournement. Et, on, et, on, et, et, et ça sera le baisser, descendre le centre de gravité au moment du retournement face voile sera d'autant plus indispensable quand il y a du vent pour garder la charge sous la voile. Ok Jérôme, euh, j'espère qu'on va pas te perdre parce que là c'est ça pixelise à mort. On a vu le chat passer, mais euh, on est on, voilà l'image c'est euh, pas grave. Tu, tu, tu as des gros carrés à la place du visage, mais euh, on bon, mais arrive si quand on même entend, à toi. Si, si on t'entend, si c'est le principal. Euh, voilà, Catherine exactement. nous dit j'appréhende le gonflage par vent soutenu. Faut-il plier ses jambes tout en avançant vers la voile Je suis un petit gabarit. C'est parfait puisque je, je, il me semblait que j'avais oublié d'amener de, de, un élément qui est extrêmement important en gonflage face voile et ça répondra, ça apportera des, des, des notions de réponse à cette question. C'est quand on gonfle face voile, en général c'est qu'il y a du vent, ou on va dire que dès qu'il y a du vent, il faut faire face-voile. Quand on fait face-voile. Euh, il faut porter l'attention, je vais vous saouler avec ça, hein. mais vous allez voir, vous allez petit à petit y venir et ça va vous ouvrir énormément de, de portes et de, et de prise de conscience de ce que vous faites. Quand, quand vous gonflez face à votre voile du vent, il faut porter l'attention euh, au niveau de vos fesses, au niveau des sangles de votre sellette, dans votre dos et sous vos fesses. La, la tension. Et quand on gonfle face à la voile, dès qu'on a commencé le gonflage avec les élévateurs avant, la tension va venir euh, sur les élévateurs, puis sur la sellette, donc au niveau de votre fessier, de votre le bas du dos. Et il faut garder cette tension de manière homogène. Je vous donne deux exemples. Si vous résistez très fortement à la voile, cette tension va augmenter brutalement. Donc la voile va monter extrêmement vite avec beaucoup de puissance, et ça vous, ob... soit ça va de vous décoller, soit il va falloir mettre une grosse tempo qui va aussi vous faire décoller. À l'inverse, si vous faites diminuer cette tension, on la fait diminuer en courant vers la voile. Si vous allez trop vite vers la voile, vous allez diminuer cette tension et la voile ne va pas monter. Donc, tout votre boulot en tant que pilote, c'est pendant le gonflage, il faut porter la tension sur cette tension au niveau du cul et se dire, je garde la même tension. Donc, si elle forcit, si la voile monte un peu plus vite et vous allez vers votre voile pour la redescendre. Si la tension diminue, vous résistez un petit peu plus. Et c'est là où vient la technique. Quand la voile est en train de monter, au début, elle, ça vous fait une tension vers l'arrière et petit à petit, la voile qui monte va vous, va vous faire vous redresser en fait. Et c'est là où il faut, comme tu dis, baisser les jambes pour garder la tension et aller vers la voile. C'est deux mouvements qui se font en même temps. On charge et on va vers la voile. Donc oui, c'est une technique qui est indispensable. On charge en allant vers la voile pour faire monter la voile doucement. Votre objectif de résultat, c'est que la voile monte doucement même quand il y a du vent. Et la seule manière de le faire, c'est de jouer avec votre déplacement vers la voile et la charge vers la voile. Merci Jérôme. On a des petites vidéos euh, que tu vas pouvoir euh, nous commenter euh, sur euh, des incidents. Ah, ça bug un peu. Ça bug un peu, ouais, ouais. Un peu, ouais tu, 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 tu reçois. On ouais. Juste euh, rappelé qu'on a un petit partenariat ce soir avec euh, chaussuresonline.com avec 10% de réduction sur euh, toutes les oui. chaussures avec le code WING. Euh, on soutient une entreprise euh, au Savoyard qui est basée à euh, voilà qui a beaucoup de mal à en ce moment. À côté de chez Cortel. À côté de chez Cortel, exactement. Oui. Et donc, qui nous font un petit bon de réduction pour tous ceux qui nous, qui, qui nous regardent ce soir. C'est super sympa. Le code WING, vous avez 10% de réduction. Et un petit bon d'achat à gagner dans quelques minutes avant la fin de ce live. Un bon d'achat euh, pour euh, chez, chez Chaussures Online avec trois petites questions euh, fort sympathiques. Vous allez voir. On... Qu'est-ce que tu nous montres, Jérôme C'est ça, toi, tu, tu as investi. Euh, C'était chaussures ben, réunionnaises. chaussuresonline.com. Euh... Ça va de deux doigts, chaussures, online.com <laughs> Parfait. Euh, alors, tu, tu, vraiment, on voit des gros carreaux à la place de ton visage. On voit toujours le chicken run. Mais euh, on attaquons le, 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 les petites vidéos. Euh, par quoi on commence Alors, il faut que je les cale en plus. Alors... Non, voilà, on avait un petit... Attends, je, je, je reviens vers toi, Jérôme, tout de suite. Petite manip à faire pour que tu vois ce qui se passe. On a euh, Théo De là, qui fait un... Décollage, euh, trop, on le verra après. On trop le verra technique. après, trop, trop technique. Ça à la fin, on verra ça à la fin. Allez, euh, à, ouais, à ouais. la fin, je te non, prépare. Non, pas trop technique, mais décalé par rapport à notre, euh, à notre truc. On a, euh, euh, tu peux voilà, montrer, les incidents. Euh... Ça arrive sur les incidents là que tu m'as. Ouais, si tu si arrives à les voilà, voilà. on est assez intéressant. On est parti sur ça. Il y a toute une série euh, sur YouTube, boum, de déco raté. C'est alors, on va voir le prochain. <laughs> le voilà. Un petit commentaire. Euh ben moi je vois pas c'est bloqué, mais vous m'entendez Ah, on mais je peux, je, peux, ah, je me rappelle mais... de ce que c'est voilà. OK, okay c'est bon, c'est bon. Ça y est. Voilà. Donc là sur cette vidéo, bah tu peux l'arrêter sur cette vidéo ça répond à la question, à une des questions. Cette, cette, cette pilote, je, je pense que c'est une, une fiche, je ne suis pas sûr. Euh, elle n'a euh, pas les commandes croisées au gonflage et quand la voile arrive au-dessus, elle, elle doit s'occuper en priorité de faire un changement de commande, comme on faisait il y a longtemps, mais ça, ça prend la priorité sur le contrôle de la voile. Donc, quand elle fait bien son changement de commande, ça marche bien, mais ça la met en retard sur le contrôle de voile qui, qui la dépasse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les commandes croisées au départ pour pas avoir à faire un changement de commande, un changement de main en fait après le gonflage. Sinon ça met vraiment le bazar quoi. Ah oui, elle change de main dans le retournement là. Oui, elle fait un changement de, de commande. Et s'il y a du vent fort, c'est impossible, j'imagine. La... Alors ça peut être fait, ça, ça peut être fait. C'est une technique qui marcherait bien, mais il faut, il faut un récollage plat en fait. Un décollage plat et, et, et pour qu'on puisse contrôler facilement la, la vitesse de montée de voile, en fait. Ça laisse le temps le de souvent. faire le changement de. Côté. Donc et euh, après, voilà. c'est la même voile. Voilà, là, c'est très un truc, regardez. Bon, moi, moi l'image est bloquée. Oui, là, elle est partie complètement sur la droite. Okay. Là. Elle a évité Donc, un pilote. Voilà, alors il faut, il, faut, il faut comprendre pourquoi elle part sur la droite. C'est au moment où elle. Euh, elle fait sa, son gonflage. C'est bien sa course d'envol. Il y a un gars qui est devant elle et elle décide d'éviter ce gars euh, en euh, courant à, brutalement à droite. Donc le fait qu'elle soit son corps qui se déplace à droite, la voile, elle, ne lui a pas parlé à sa voile, la pilote, elle lui a pas dit, elle a pas dit à sa voile d'aller à droite. Donc son corps se déplace à droite et va provoquer du roulis et euh, et elle va cumuler ça avec une installation. Euh, trop rapide donc le roulis plus une installation rapide et puis un, un, une mauvaise direction de cap et ben ça finit euh, comme ça finit donc là elle cumule une installation trop rapide c'est une erreur très classique les gens veulent s'asseoir trop tôt on a une autre Décomposée. Euh, on a une suite euh, ça va être ici <laughs> est ce que tu la vois alors je vois que la voile rouge, mais je me rappelle plus. Oui, oui. Alors la voile rouge, je me rappelle. Euh, le gars gonfle et alors on finalement on la remarque que sur ce décollage le vent est un peu, voilà le vent est un peu travers gauche. Donc euh, lui il décide de tourner à droite. Donc ça ça répond à la question de, euh, de Pascaline. la tourner à droite avec du travers gauche, c'est pas l'idéal. Ça le fait, ça lui fait euh, euh, non c'est je dis bêtise. Sur cette vidéo, le gars euh, tourne du mauvais côté. Il devait tourner au départ. Oui, c'était euh, bien qu'il tourne à gauche. Qu'il tourne à droite, c'était bien, mais par contre, il n'avait pas pris les commandes pour qu'il puisse tourner à droite. Donc, il finit son tour avec un twist, un tour complet. Donc là, il faut arrêter tout de suite pour ne pas te décoller dans cette situation-là. Et c'est celle d'après, là où il y a le vent qui est pas dans le bon sens. Où, euh... Voilà, je ne sais pas si tu la vois. La voile se fait. Euh, non, mais je vais la voir, moi, ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est aussi une grande classique sur un décollage. Euh, alors attends, je sais pas, c'est pas la voile qui se ferme, c'est celle d'après. C'est celle-là, je crois. C'est la, la voile jaune. Alors, alors comme on est en décalage, oh, c'est celle celle-là, voilà. c'est celle-là. c'est la bleue. Ah, ça c'est une autre encore. Ok, c'est la bleue. C'est parti. Voilà, c'est celle-là. C'est la bleue qui est intéressante. Alors le gars s'assoit très tôt. Beaucoup trop tôt, la voile euh, la voile le prend en charge et il s'assoit, donc il retouche. Il finit par redécoller. Et c'est aussi ce qui est intéressant à regarder, c'est sa course en fait. Au début, au début de sa course, elle est bien, mais dès qu'il se sent prise en charge, il n'accélère plus. Donc il n'accélère il plus et il s'assoit, donc il surcharge sa voile brutalement. Donc sa voile qui est surchargée brutalement, il retouche le sol. Ça, je vous, je vous euh, regardez cette, cette vidéo qui dure six sept minutes. Ça s'appelle Funny Take Off et c'est excellent. Pour voir toutes les erreurs de pilotage, on dirait que tous les pilotes ont été payés pour ça. Ce sont tous <laughs> des acteurs et ils font toutes les erreurs de pilotage possibles sur un décollage en herbe de, à 20 degrés avec 15 km/h de vent de face. C'est extrêmement enrichissant pour comprendre ce qui se passe. Funny takeoff fail win compilation paragliding festival 2017. Voilà. voilà. On pourra le. 2017 on pourra donc le... c'est très récent. Donc, donc avec, avec des voiles récentes. Oui. On le mettra, on, on le, voit le mettra si en on commentaire. Fait, oui. euh, et si, on, et si on fait une synthèse de ces 6 minutes de vidéo, c'est exactement ce dont on parle de, depuis le début, c'est-à-dire chaque pilote a une seule priorité en tête, c'est de courir pour décoller. Il n'y a que ça en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a très peu de décomposition du gonflage, alors que les conditions le permettent, les voiles le permettent, il n'y a, a, a rien qui oblige à aller vite et tout. Donc, de, tenez compte de ce qu'on a dit, sur, on porte l'attention sur quoi, quelles sont les priorités à chaque étape, et vous allez comprendre toutes les erreurs de, de ces vidéos, c'est très enrichissant. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions euh, Jérôme, alors, et on a de plus en plus de mal avec ta connexion. Hein, là, le son est en oui. train de partir aussi, euh, ça devient compliqué. On net. est... Euh... Juste pour voir si, 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 si ça... On a... <laughs> On t'entend avec. Euh, voilà, il y a des, <laughs> des règlements de comptes euh, familiaux, hein, c'est -ce ça? Que là, non, non. non c'est juste pour voir si c'est lié à, à, au fait qu'on soit sur le a bah sur la bande passante. Ouais, le, oh, son, bon. le son a l'air un petit peu mieux là, on va voir euh, si ça tient. Euh, Jérôme, on a des oh. questions, euh, des gens qui demandaient où ça se passait le, le déco, etc. Non, pas de questions. Euh, en tirant sur les avants, on accélère la voile, on change son profil aussi, demande Alexandre. Euh, oui, alors sur l'essai les, sur de voile où je sollicite les élévateurs avant, pour savoir si c'est bien fait, il faut regarder votre voile. Et l'objectif de résultat, là, qui est important, c'est que le bord d'attaque soit bien ouvert et que toute la voile écope en même temps. Si tu tires trop sur les avants, tu verras tout de suite ta voile qui est repliée. Donc l'action n'est pas bonne. Voilà, donc c'est que tu tires trop ou trop longtemps. Jérôme, qu'est-ce que tu proposes pour la suite? Tu veux qu'on avance oui. un petit peu dans les petites vidéos si, si tu peux la retrouver, oui. puis après on basculera sur Il y a une petite vidéo qui est sympa, c'est d'un gars qui décolle et on voit il, 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 il décolle, il a du mal et il finit dans les arbres, dans les broussailles juste après parce qu'il n'arrive pas à se pencher en avant. Est-ce que tu l'as celle-là euh, Alors, dit comme ça, ça va être compliqué à retrouver. Ouais, euh, voilà. Il a, je pensais plutôt à celle, aux oui. déco un peu particulier. On est en train de te perdre, donc oui, euh, oui. je voudrais qu'on qu qu arrive on rapidement avance, à, la fin de ce, à la ça fin marche. de ce live. On reprendra le, cette thématique-là. Alors, parce maintenant, y a plein voilà, à dire. On, on a beaucoup de choses à dire. Alors, sur les décos particuliers, là, si vous m'entendez, on va voir des choses... Oui, le son est revenu là. Voilà, on va voir des choses particulières sur sur cette partie-là maintenant. Donc, il va y avoir des décos vent arrière, il va y avoir des des gonflages en lancer de voile, etc. Euh, il va y avoir euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre les, On les avait gonfages. autre œil aussi. Au treuil, et le, alors, on, alors le treuil pour nous c'est particulier parce qu'on est en montagne mais euh, euh, le, le gonflage au treuil, et il y a des gens qui veulent volent qu'en treuil c'est très bien mais on a, on a, une, on a un petit visuel là-dessus. Voilà des on a un petit arrière. Visuel, regarde le treuil, c'est Émilie voilà. qui nous a envoyé ça, qui, Salut, Emily. Qui, qui est à Lille et qui elle alors, décolle euh, souvent au treuil. Sur pays de plaine, voilà, on utilise le treuil, ça marche très bien, on peut monter à plus de 700 mètres au treuil. Donc là, il faut laisser travailler le treuil, c'est-à-dire la tension. Hein. C'est pour ça que la posture doit être différente. Regardez, là, il est en prétention. Et regardez là, Émilie se penche vachement en avance et qu'elle fait sa technique, le chicken run de montagne. Et elle court très vite, ce qui fait qu'au début de la vidéo, si vous regardez, si vous êtes attentif, elle détend un peu le câble. Donc, entre eux, il faut plutôt rester droit. Hein, S'il y a des, des treuillers, des treilleurs euh, là qui nous écoutent, vous me confirmerez ou pas ce que je dis, hein, parce que des fois je dis des conneries. Il faut plutôt rester droit et laisser vraiment le câble faire la traction en fait. Il ne faut pas essayer de rattraper le câble, il ne faut pas essayer de courir vite. Le câble va faire que vous allez vous mettre à la bonne vitesse de course et en restant plutôt droit. Voilà. Et là, Émilie se penche vachement. C'est pas nécessaire. On a également euh, Mathieu qui lui fait une tentative de décollage euh, vent arrière. Ça, tu vas pouvoir voilà. nous l'expliquer le, aussi. Exactement. Alors, on peut rester sur le début. C'est-à-dire qu'il a une voile plutôt légère, hein, qui fait euh, qui fait trois kilos à peu près, une Suzy 3 de Air Design. Donc, c'est une voile montagne plutôt légère, donc qui se gonfle plutôt bien. C'est pas, pas un truc qui fait six kilos à gonfler. Il est sur du plat avec un peu de vent arrière. On va voir. Donc, il regarde l'environnement, il est prêt, son gestuel a l'air bien, on voit avec l'ombre, hein, bras en W, donc c'est pas mal. Donc là, il est parti. Voilà, il est parti pour gonfler. La voile arrive au lui, puis là, il arrive dans la pente. Et bim Et bim tout Ça droit. décolle pas. Et regardez là, ce qui est intéressant, ça donne l'info sur l'aérologie. Regardez la voile, elle se gonfle presque en vent arrière, regardez. Donc, le vent arrière est assez soutenu, il y a. Il y a pas loin de 10 km/h de vent arrière dans la pente. Hein. C'est sur de la neige, donc le vent est froid sur la pente à l'ombre. Donc, euh, il, il gonfle sur du plat, il n'y a peut-être pas beaucoup de vent arrière sur le plat, un petit peu. Donc déjà sur le plat, sans vent, c'est un peu plus compliqué à gonfler. Et ensuite, dans ces conditions-là, il se retrouve dans une configuration où il est dans une pente raide avec des bosses, et il est sur une piste de ski, dans du vent arrière. Donc là, il faut s'attendre à devoir courir longtemps et vite. Et peut-être que le terrain l'a vraiment perturbé avec les bosses. Il s'attendait peut-être pas à devoir courir aussi longtemps. Il a peut-être trébuché, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, euh, et la question qui peut venir après ça, est-ce qu'il a la possibilité de décoller de l'autre côté, ou est-ce qu'il a la possibilité de gonfler face au vent hein, et le terrain lui permettrait de faire une grande courbe en courant pour se retrouver avec de la vitesse dans la pente vent arrière, mais avec un décalage dans le temps, un petit peu plus tard. Il y a des décollages qui permettent de gonfler face au vent, et ensuite de courir dans la pente, il faut que la pente le permette, et de finir par décoller vent arrière, mais on a pris de la vitesse en faisant une grande courbe et en courant longtemps. Oui, ce que j'allais te dire, moi qui j'ai déjà été confronté à ça, en marche-vol, arriver en haut de, de la montagne, avoir qu'une possibilité, qu'une fenêtre, mais il y a du vent arrière et euh, tu redescends à pied parce que tu ne peux pas décoller. Enfin, je n'ai pas, pas assez la technique, hein. donc euh, il y a peut-être euh, ouais. une possibilité de se retourner. Euh... Tu dis, mais il faut un grand espace. Quoi. C est, c est... Il faut un grand espace, il faut de l'herbe, faut... donc c'est rare, c'est rare. Il faut cumuler la topographie du terrain, il faut permettre qu'en que, tant que pilote, vous... Vous ne le découvriez pas à ce moment-là, mais vous aviez un bon visuel sur, sur ce qu'il y a à faire, en fait, euh, etc. Donc après, c'est un des risques hein, d'arriver sur un décollage vent arrière et qu'on ne puisse pas décoller parce qu'on n'arrive pas, pas à gonfler. Ou si on arrive à gonfler, la pente ne permet pas de courir longtemps. S'il y a plein de cailloux, si ça ne s'y prête pas, ben on, on laisse tomber, quoi. on ne peut rien faire. Où on essaye de dé décoller de l'autre côté si le, la topographie, euh, l'environnement le permet. Ça, on ne sait pas. Richard demande, euh, jusqu'à quelle vitesse considères-tu qu'il est possible de décoller euh, vent arrière en sécurité Eh bien, c'est pareil, euh, ça dépend de plein de facteurs extérieurs, ça va dépendre, et des, fa et des facteurs aussi personnels, ça va dépendre de ton expérience, ça va dépendre euh, de, de ta voile, ça va dépendre euh, du terrain. Hein, si, si le terrain va te permettre de courir longtemps ou par exemple de pouvoir, parce que quand quand, euh, quand on est vent arrière, euh, le, le problème c'est que le gonflage se passe bien, mais il prend énormément de place pour que la voile arrive au-dessus, puisque vous, vous devez rattraper le vent et ensuite la voile doit avoir son vent relatif pour gonfler, donc il vous faut énormément d'espace. Donc après, dans le doute, si la topographie s'y prête pas, si vous pouvez pas faire des essais de gonflage et que ça marche pas et réessayer si c'est trop chaud, on, on se jette pas dans le vide comme ça avant arrière ça peut être très très technique. Et pour répondre à cette question et ben le vent maximum vent arrière là tu peux passer la vidéo de c'est théo je crois. Vous connaissez en voltige, on fait des gonflages, il a, il a la voile bleue, on fait des gonflages en montant le bord de fuite et regardez ce gonflage qui fait, il gonfle la voile. Avec le bord de fuite, et quand la voile arrive au-dessus de lui, il court sous la voile et il décolle vent arrière. C'est hallucinant, mais c'est intéressant de voir ça pour vous dire tout ce qu'on peut faire en parapente. Je te prépare. Voilà, ça. il y Voilà, c'est celle-là. Donc, le vent vient bien. On va voir, je ne me rappelle plus comment c'est filmé. Voilà, le vent vient bien de derrière lui, et quand la voile arrive au-dessus, hop, il se met à courir. Donc, là, il se retrouve vent arrière. Donc, vous avez vu le terrain, lui permet de cavaler. Il cavale très longtemps, il doit avoir 16 mètres carrés ou 17 mètres voilà, regardez cette vidéo, c'est excellent, moi je trouve ça assez ouais, magique. Il la tire par l'arrière, c'est ça Voilà, et... il tire avec les arrières en fait, ça c'est des manœuvres de voltige hein, au sol, il gonfle la voile en tirant avec les freins, et quand la voile arrive au-dessus de lui en montant devant lui, il court dessous pour se retrouver dans une position classique, voilà. Et la voile est légère, hein. c'est pas une grosse euh, non, voile. Non, elle n'est pas légère, mais c'est ah, une ouais. petite voile, une ouais. voile de voltige. Ouais. Et puis, il y a, y a un bon niveau, et là, il faut du vent assez fort pour faire ça. Donc, et vous avez vu la place qu'il y a pour courir, donc il faut qu'il cavale très longtemps et très vite. Là, on voit, c'est filmé, euh, euh, filmé euh, à bord, en fait. Ah, attends, alors je, je la remets, là, on a la version à bord, qu'il y avait la fin. Voilà, ah. donc là, il tire, il tire sur les arrières, la voile gonfle, et quand elle arrive au-dessus, il, il, il court pour la rattraper et lui redonner de la vitesse en vent relatif. Voilà, il faut que le terrain s'y prête. Donc ça, ça pourrait être un terrain. Les gens attendent pour décoller, parce que le vent est arrière. Ça pourrait être un terrain tout en haut qui permet de gonfler classiquement face au vent et ensuite de tourner en faisant une grande courbe en courant et de se retrouver euh, vent arrière dans la pente. Mais bon, voilà, on ne va pas généraliser, c'est pour vous montrer. Après, on peut vous montrer aussi. Euh... Euh, le lancer de voile aussi. Hein. Alors, pour, pourquoi on peut lancer sa voile maintenant pour la gonfler Il faut réunir plusieurs facteurs. Bien sûr, de l'expérience. Bien sûr, visualiser ce qu'il y a à faire. On n'invente pas ça. Que le décollage, la topographie du terrain le permette. Qui est du vent aussi. Les voiles sont plutôt petites, légères. Euh, donc là, je vais vous montrer voilà celle avec, euh, avec la run and fly. Alors là, c'était un test sur un décollage en herbe assez court. Mais un décollage avec un lancer de voile sans vent. Réalisé par Jérôme Cano, himself. Voilà. Avec une run and fly, elle fait un kilo la voile, donc il n'y a pas de vent du tout. Donc quand il n'y a pas de vent, on doit lancer la voile et reculer en même temps pour pour pas que la voile touche le sol quand le suspentage se tend, en fait. Et avec la run and fly, ça fonctionne parce qu'elle est très légère, donc ça, c'est assez, assez marrant. Et à, vous me direz, ouais, mais ça sert à quoi ton truc Ça peut permettre, vous avez un terrain euh, mal pavé au sol, par exemple. Ça peut permettre sur des toutes petites voiles euh, de gonfler les voiles sans que les voiles touchent le sol, ou si c'est de mouillé, par exemple, ou voilà. Et là, on va vous montrer une autre vidéo de toujours lancer de voiles, cette fois, mais euh, avec du vent. Le, parce que là, il n'y a pas la possibilité pour le pilote. C'est euh, euh, Théo aussi, donc excellent, euh, excellent pilote de voltige et tout. Donc il a une toute petite voile suspendée très courte. Une voile classique, c'est pas une monosurface. Et là, il peut la lancer, ça marche, parce qu'il y a du vent. Et il et là, peut il est dans un endroit de dingue voilà. aussi. Hein. Voilà, il est derrière une barrière, donc il réunit tout ce qui est extrêmement technique. Il peut parculer pour tendre le suspendage mais il y a du vent. Et le suspentage est très court. Donc la voile gonfle dans le vent. Ensuite, il y a contrôle de la voile et ensuite décollage. Donc ça c'est pour c'est on ça, ça me pose pas du tout de problème de vous montrer ces vidéos. Le, le but c'est pas de refaire ça, mais c'est de vous montrer ce qui est possible de faire, en fait. Voilà. Pour vous donner des envies, de, de par exemple, quand vous faites du gonflage, d'essayer des choses, en fait, d'augmenter vos, vos panels, de, vos, vos outils, en fait, d'avoir une caisse à outils géante de, de petites astuces et tout. Parce que d'avoir plein d'outils et de les sortir quand il faut, ça, ça augmente votre confiance en vous aussi. Et puis, on avait un petit, ensuite, euh, un petit décollage voilà, falaise, c'est hein, ça On a eu des questions sur le maïdo, sur le, le, le décollage falaise. Donc là, on vous montre une, une vidéo du maïdo que vous connaissez, beaucoup connaissent, soit pour l'avoir pour fréquenté, soit de, de réputation. Donc c'est un, un décollage, on dit falaise, c'est-à-dire on a un décollage plat et ensuite 1000 mètres de rempart. Et la difficulté de ce décollage, c'est que, on, voilà, on va le repasser, puis tu n'as qu'à faire un arrêt sur image, vraiment sur, au début du gonflage si tu peux. Voilà, arrête -la là là. C'est un décollage plat, en fait, où le, vent, euh, où le vent, là devant, il doit y avoir euh, environ 15 à 20 km heure de vent qui monte le long de la pente. Et le, le, au Maïdo, on n'a souvent pas de vent au sol, en fait. C'est pour ça, vous voyez, en premier plan, quelqu'un qui tient une voile, on n'a pas de vent au sol. Et il faut gonfler sa voile, souvent euh, face-voile, des fois dos-voile. Et sur les premiers mètres, on ne sent absolument rien. Euh, euh, la voile ne prend pas le vent, donc il faut qu'elle monte environ de 2-3 mètres. Voilà, là elle commence à écoper. Le truc, c'est que la voile, vous lui avez donné de l'énergie, et d'un coup, elle va, le profil va se retrouver dans 15 km/h devant avec une énorme accélération. Donc, un contrôle de voile au frein obligatoire, et là, le contrôle de frein va jusqu'au décrochage. Hein. Regardez, la voile se met en corolle arrière, et là, le pilote est très bon, c'est Ivo, ça lui Ivo, et donc il va relâcher les mains très tôt après le décrochage pour que la voile se remette en vol et puis se retrouve en vol. Et si vous regardez tout de suite après les 5 secondes qui suivent, il prend facilement 20... 20-30 mètres, hein, et on a un bon 3-4 mètres secondes devant. Donc, l'aérologie en l'air est pas du tout euh, turbulente. Là, hein. Ça peut être un classique du maïdo, ça peut être de très bonnes conditions en l'air. Par contre, c'est la mise en vol qui est technique. Et donc là, on va réunir tout ce qui est compliqué. C'est pas du tout de régularité dans la montée de voile. Ça va obliger le pilote souvent à gonfler face à la voile, à rien sentir au début, donc à solliciter la voile. Ensuite, dès qu'elle va écoper, à basculer sur. La charge de la voile, le déplacement sous la voile, un retournement rapide et du pilotage. Donc là, on réunit tout ce qui est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut euh, le travailler, pas au maïdo, mais ailleurs, quoi. Sinon, ça devient compliqué. Et, et d'arriver au Maïdo, des fois, on se met en, en, en une grosse situation de stress parce que quand on voit ça, on se dit, mais comment on va faire, etc. Donc, on peut soit se faire aider. Quand j'aide des pilotes au Maïdo, je, je fais un peu le gonflage à leur place, en fait. Voilà. Donc, je, je chante la partie gonflage. Alors, certains me disent, oui, mais tu, tu quelqu'un qui n'est pas capable de décoller seul, il décolle pas là. Oui, mais on, on peut faire un mix. C'est-à-dire qu'après, ce pilote va aussi s'entraîner ailleurs pour petit à petit, euh, euh, améliorer sa technique pour pouvoir petit à petit le faire seul au maïdo, mais là ça lui permet de vivre le vol du maïdo et je lui file un coup de main au déco pour qu'il soit moins en situation de stress. Quoi. Et Jérôme, on avait une question de JP euh, quid du décollage par vent fort avec une voile rando, une Pi 2 par exemple de 23 mètres carrés Ça doit être la sienne. Quand le vent est soutenu au déco, parfois je n'arrive même pas à démêler correctement mes suspentes elles se comportent comme une furie comparée à mon Epsilon 8 qui, elle, reste bien sage dans les mêmes conditions. Est-ce que tu as une suggestion oui, parce que là, quand on passe en voile montagne, on va payer le fait que la voile ne, pèse, euh, ne soit pas lourde. Donc dès que vous posez une voile qui fait 2 kg par terre, 2 kg 5, 3 kg, dès qu'il y a un peu de vent, elle va avoir tendance à s'envoler en fait. Donc c'est super compliqué. Donc il faut changer la manière de faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout arriver sur le décollage, étaler votre voile comme vous faites d'habitude. Donc il y a différentes techniques. Il y a une technique qui consiste à vous préparer dans un endroit euh, protégé du vent. Venir avec votre voile en boule, mais là il faut être sûr de votre préparation. C'est-à-dire vous savez votre sens de retournement, vous avez déjà vos commandes en main, et vous faites un gonflage voile en boule. Vous laissez votre voile en boule au sol, et il y a un truc à faire quand on fait un gonflage voile en boule dans du vent, c'est de sortir les boudelles pour pas que ça sorte cravaté. Et on dit qu'on met une voile en forme de oméga. Donc, l'oméga, c'est ce, ce cercle-là. Et puis, les boudelles font l'extérieur. On sort les boudelles et donc et on laisse la voile en boule. On tend son suspendage et on va partir suspendu. tendu Donc, la voile, on va, comme on va solliciter l'avant, donc le sang de la voile, elle va très bien monter. Même si elle n'est pas complètement gonflée, ça n'a pas d'importance. Elle va gonfler au fur et à mesure de la montée. Et ça, ça permet de, de gonfler plus facilement quand c'est le bazar sur le décollage avec du vent. Et plus la voile est légère, plus c'est compliqué. À cause de ça. Il y a un autre truc qui apparaît, ça répond à une question d'un gars, d'un pilote c'était que quand il est en tension, quand vous, on n'a pas parlé de la sécurité aussi sur les, des, les gonflages dans du vent quand la voile est en tension souvent quand il y, y a du vent et qu'on attend avant de décoller on met beaucoup de freins et, et le frein maintenant comme les, souvent les, les bords de fuite sont tricloisonnés ça va avoir tendance à remonter le bord de fuite et puis vous avez la voile qui part dans tous les sauces qui part en sucette elle est toujours au sol et plus elle fait ça plus vous freinez mais il faut savoir que plus vous freinez plus vous accentuez ce phénomène là donc pour chanter le fait que le bord de fuite monte, et arrête pas de, de, faire flapper la voile et de la monter. Il faut arrêter de tirer sur les freins. Il faut mettre vos mains sur les élévateurs arrière et ça, ça permet de pas faire relever le bord de fuite. Et ça suffit pour se mettre en attente. Et j'en viens à la sécurité sur les décollages en vent fort ou quand vous êtes en attente pour soit vous préparez à décoller, soit que l'environnement soit libre, soit d'attendre le bon créneau. C'est bien, pour la sécurité, il y a deux trucs à faire. C'est tenir vos, les, les, les arrières de la voile et vous pouvez comme ça tenir même dans du vent fort ou dans des rafales, vous pouvez tenir la voile au sol sans problème, plutôt que de la tenir au frein. Les freins rendent beaucoup d'instabilité à la voile. L'autre truc, s'il y a du monde qui peut vous aider, les personnes qui vous aident doivent se mettre à côté de la voile et tenir la voile. Et non pas à côté de vous, parce que quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais assuré, tenu quelqu'un en décollage, il, il va avoir le premier réflexe c'est de se cramponner au, au pilote. Et si la voile se met à gonfler, rappelez-vous, la charge qui va, qu va ressentir va être décuplée puisque la personne qui va l'aider va le retenir et donc il va faire monter les deux personnes à 3-4 mètres du sol. Euh, ça. Et si vous devez vraiment être en attente euh, où ça dure un petit peu plus longtemps et que vous êtes seul. Au lieu de rester assis par terre, suspende tendu, mettez-vous à côté de votre voile en tenant la voile. Et je pense notamment sur les décollages avec des vents irréguliers, voire quand il y a des risques de dust, c'est-à-dire des déclenchements thermiques près du sol qui vous soulèvent la voile. Si vous êtes en suspende tendu, vous risquez de décoller. Vous pouvez voir des vidéos, elles sont extrêmement impressionnantes. Donc, quand vous êtes en attente dans du vent, et si vous êtes seul ou il n'y a pas d'assistance, ou si vous n'êtes qu'avec d'autres pilotes, mettez-vous à côté de votre voile et tenez le tissu. Si vous tenez le tissu, il ne pourra rien vous arriver. C'était le petit, euh, petit chapitre euh, sécure dont on n'avait pas parlé. Jean, Jean Bonneau euh, nous dit à Annecy, on met de la neige sur, euh, sur, sur la voile. Oui, euh, exactement. Euh, ça, c'est une technique. Alors, il existe des techniques en montagne, quand il y a du vent, voilà, de, de charger la voile avec de la neige. Euh, euh, un petit peu lourd, mais il faut faire gaffe de ne pas mettre des gros paquets non plus, mais ça peut permettre de maintenir la voile au sol, éviter qu'elle parte. Il y a d'autres techniques aussi sur des voiles de montagne où il existe euh, des petits euh, des, des petites sangles sur l'extrado qui vous permettent de mettre des petits pics. Dans le sol, souvent quand il y a de la neige, et de, quand, quand vous êtes sur une voile, sur des terrains glissants comme de la neige, vous vous éviter que la voile vous glisse dans les pieds au moment où vous allez partir. Et ça vous permet de la maintenir un petit peu au sol. On peut aussi faire une espèce de marche et vous, vous mettez la voile sur du plat. Voilà, des petites astuces, mais ça, comme vous allez voler en montagne souvent avec des potes et tout, euh, certains ont plus d'expérience et vous montrent toutes ces petites astuces qui vous, vous arrangent bien la vie. Quoi. Jérôme, on a les, les deux dernières questions. Euh, Catherine qui demande pour les décos euh, très pentues, euh, par vent soutenu, faut-il se placer un peu plus bas dans la pente pour décoller Alors, méfiat, il y a un endroit où il faut vraiment se méfier c'est les décollages très raides qui est du vent ou qui n'est pas de vent. Il faut vraiment être vigilant avec ça. Parce que la pente, tant que vous allez avoir les pieds au sol, la voile va se mettre parallèle à la pente. Ce qui fait qu'on peut avoir des voiles qui sont carrément 45 degrés devant vous. Hein, et elles ne vous dépassent pas. Mais elles doivent passer par ce créneau-là et vous décoller dans un genre de pendule. Donc le décollage dans des pentes très raides, il faut être très vigilant. Ensuite, c'est par rapport à l'aérologie, et la question est, est très bonne. Comment, euh, euh, comment temporiser ou, ou comment, euh, là c'est l'histoire de placement, comment vous placez euh, dans des pentes où il y a du vent fort. Oui, vous pouvez descendre dans la pente pour avoir du vent un peu moins fort. Ça, c'est un des trucs qui peut être bien. Et aussi, quand vous descendez dans la pente, c'est-à-dire vous éloignez du haut de la pente, parce que souvent dans le haut de la pente, il y a de l'autre côté de la pente. Donc si vous gonflez dans du vent fort, je pense par exemple à Buc, à Cédron où souvent les pilotes vont se mettre carrément à côté de la manche air tout en haut et derrière il y a carrément une falaise. Si là vous faites une erreur ou si le vent est forci, vous êtes vite de l'autre côté et c'est pas dans un endroit super. Donc là vous descendez dans la pente, ça va vous amener deux avantages, un petit peu moins de vent et surtout de la place pour remonter dans la pente pendant le gonflage de la voile. Attention aussi, si en haut vous avez 35 km/h de vent en haut de la pente, quand vous allez descendre 35 ou 40 devant, si vous allez descendre dans la pente, oui, le vent va être moins fort, vous allez atteindre 25, 30 et vous allez dire, bah, tiens, je peux décoller dans 30 km/h si votre technique le permet. Mais n'oubliez pas qu'une fois en l'air, vous allez vous retrouver dans le vent fort des 40, donc vous risquez de reculer. D'accord Donc quand on descend dans la pente, c'est pour faciliter le gestuel au sol. Hein c'est pas pour chanter le vent trop fort en haut. Hein petite petite euh, nuance. Mais oui, en descendant dans la pente, c'est plus sécurite. Génial, Jérôme. Merci pour tous ces conseils. On avait une petite question encore euh, préparée. Allez, ça sera la, la, la dernière si on n'a pas d'autres questions par les internautes. Il y a le cobra. Le cobra ouais, on n'a pas fait. parlé du cobra. Euh, je le pense qu'on va, on va, on va en reparler ouais. parce qu'on n'a pas ni vidéo euh, ni euh, donc. On euh, a de la route. Ouais. De voilà. La route. On, on se refait ça une, ouais. euh, une prochaine. Il y avait cette question-là euh, de Damien qui dit J'ai 170 vols et toutes mes dents. Voici mon souci en face vol. Lorsqu'une mauvaise manip met mon bord de fuite vers le haut, il m'est impossible ouais. de retourner ma voile sans devoir la prendre à pleine main. J'aimerais euh, le faire directement avec mes commandes et sans que ça soit fastidieux à chaque fois. Surtout que mon ami alors, Vincent ne veut jamais m'aider. Il y a toujours son ami Vincent dans l'histoire la dernière fois. Voilà, <laughs> maintenant je, je comprends. Parce qu'au départ, j'avais répondu en pensant que c'était le bord de fuite qui se relevait. Mais là, il parle d'une rotation de la voile sur elle-même. Par exemple, on sollicite, il n'y a qu'un côté de la voile qui monte, elle vient se mettre à l'envers. On utilise ça le bord d'attaque au sol pour par exemple vider sa voile s'il y a du sable. Le, le, le truc que demande la Damien, c'est comment <laughs> il peut faire sans se déplacer vers la voile par la remède. Donc il faut utiliser que les freins cette fois. Mais c'est pareil, ça ne s'apprend pas sur un décollage s'il y a des risques de décollage. Ça s'apprend au sol, en travail au sol, pour que tu... Apprennent apprenne à, à refaire tourner ta voile dans l'autre sens. Donc, il faut utiliser le frein qui te permet de faire monter le bord de fuite et le déplacement du corps en même temps. Dès que la voile a commencé à remonter, il faut se déplacer pour faire retourner la voile. Ça, voilà. dans Wingmaster, il y a une très bonne euh, démo ouais. où tu le fais très simplement en tirant sur le sur le frein et sur si le tu frein, arrives ouais. à, à remettre la voile et, à l'endroit sans, sans bouger. Il faut qu'il hein. qu y ait suffisamment devant. Hein. S'il y a, si a 5-10 km de vent ça va être très compliqué. Ouais. Jérôme, merci beaucoup pour euh, ce live encore une fois euh, qui est hyper complet. Ça fait euh, presque deux heures qu'on est, euh, 1h45 euh, qu'on est là. Tu avais, avais une petite chose à rajouter pour, euh, pour conclure. Je pense qu'on va euh... se refaire, en, on va reparler encore des décos, bien comme sûr. on reparlera des atéro, comme on reparlera des incidents de vol. On est, je crois, encore confiné pour un petit moment et on a encore euh, pas mal de live devant nous, j'ai l'impression. Ouais, c'est le, ben de, de, le... Si on fait une synthèse, c'est de bien décomposer euh, vos, vos décollages. Et, on, on, et pardon, juste avant que tu, tu fasses Synthèse, oui. dire ne, ah oui, ne, a... ne, ne raccrochez pas, il y a un petit concours euh, tout de oui, suite. Alors attends, je, je lance le concours comme lance ça lance tu peux faire. Tu, sais fais, ça, la, tu fais la synthèse, euh, voilà. Les on questions a... sont très compliqués. Hyper enfin... compliqué. Il y a donc, je vous rappelle, notre partenaire chaussuresonline.com aujourd'hui qui offre 10% de réduction sur, sur toute sa nouvelle collection avec le code WING pour tous les Wingmasteriens et pour tout le monde là qui <coughs> nous regardait <coughs> en live. Une entreprise euh, au Savoyard euh, basée à Sallanches qui nous aide sur ce live. Merci beaucoup de, pour ce partenariat. Et du coup, ils offrent un bon d'achat de 30 euros à qui répondra à cette euh, bonne question. Enfin, à ces trois questions. Combien d'heures de vidéo y a-t-il dans Wigmaster Ça, vous devez tous le savoir. Euh, durée de l'épisode le plus long dans Wigmaster en minutes. Et combien recevra-t-on de bonnes réponses aux, ces, à ces deux premières questions Vous nous mettez tout ça en commentaire. Il y a un bon d'achat de 30 euros à gagner chez chaussuresonline.com. Vous marquez juste les trois réponses. Euh, combien d'heures de vidéo Donc, vous m'avez marqué 142. Ensuite. Euh, 32 et ensuite 17. Voilà, vous marquez juste les trois chiffres. Et ensuite, on regarde les meilleures euh, réponses et on vous fait gagner un bon d'achat de 30 euros chez chaussuresonline.com. En plus de la promo de 10% que tout le monde a. Euh, voilà, donc répondez en commentaire avant la fin de ce live pour gagner ce bon d'achat. Jérôme, un petit résumé de tout ce qu'on sait. C'est marrant dit. Ces, ces promos qui n'ont rien à voir avec le parapente. Moi, je trouve ça sympathique. C'est sympa, euh, ouais, ouais, euh, c'est vraiment, et... vraiment chouette de la part de Georges. Merci beaucoup. Merci, Georges. Donc, une synthèse, voilà, c'est de, de bien euh, utiliser la visualisation. Les images, c'est vraiment magique pour ça. Faites-vous filmer. Euh, décomposez vos décollages. pour, pour euh, Le fait de décomposer vos décollages permet de prendre conscience de chaque étape. Et quand vous prenez conscience de chaque étape, ça vous permet de savoir sur quoi il faut porter l'attention. Vous allez voir, c'est assez puissant comme truc. Euh, ça. Et, et entraînez-vous au sol pour essayer d'essayer de, de, de vous approprier de nouvelles techniques, voilà, surtout quand il y a des, des techniques sont figées, sont utilisées depuis longtemps par habitude et parce que ça rassure. au sol, on peut essayer d'autres choses. quoi, voilà. Merci, merci beaucoup. merci, jérôme, pour euh, tous ces conseils. pour euh, ce live, c'était euh, super chouette de te suivre. Et s'il y, voilà, y a des questions, je, comme la dernière fois, j'essaye d'y répondre par écrit. Euh, sur la page, là, quand il y a des questions, voilà, je prendrai un petit peu de temps pour y répondre. Voilà, on a encore quelques petites secondes pour répondre à notre petit concours, n'hésitez pas, et puis on va remixer le petit live. Là, on a une petite coupure de Skype avec toi, Jérôme, et donc il y a deux bouts de live, et je vais, je vais faire le petit remontage et remettre ça en ligne pour que ceux qui nous suivent en différé voient la vidéo en intégralité. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un prochain live. Généralement c'est le mercredi et le samedi, on est parti sur ça. Voilà, on va on voir si ça marche en fait toujours. Des, des thèmes, voilà, si, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder... Euh. Voir si on peut faire un thème là-dessus. Ouais. Voilà, et n'hésitez pas. Voilà, s'il si y a des, des, des thèmes de prédilection, vous nous envoyez un petit mail euh, contact at wingmaster.top. N'hésitez pas à aller sur le site de wingmaster.top pour euh, euh, et ben, investir dans cette masterclass euh, avec ses 21 épisodes et ses euh, 11 heures de vidéos euh, qui sont là pour vous avec toutes les techniques du parapente montrées, décortiquées par Jérôme et avec ses centaines d'astuces, bien évidemment. Il euh, y a beaucoup. Beaucoup plus de choses que ce qu'on a vu ce soir. Et euh, voilà, c'est vraiment une, une masterclass à suivre qu'on a pris plaisir à faire avec Jérôme et qui a pris deux ans de travail, de préparation quand même et de tournage. Merci Jérôme pour ce live et puis on se voit très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous, c'était super. Allez, à bientôt, merci.